Bonsoir les amis, bienvenue sur Nuria TV. Nous sommes en direct. C'est la deuxième soirée sur le dossier Oumo, l'avertissement que nous entamons ce soir. Alors, je sais que vous êtes nombreux à avoir vu en replay l'émission d'hier aussi. Merci à tous ceux qui ont participé au direct d'hier. Donc voilà, on a eu les chiffres après. Donc on n'était pas loin de 7500 en direct hier. Hein. Donc ça faisait quand même pas mal de personnes qui regardaient directement via le site www.nuria.tv. C'est ce qui fait qu'on a les chiffres après coup sur YouTube. Et d'ailleurs, tout le monde, n'hésitez pas à nous y retrouver pour les commentaires et les questions. Parce qu'on n'allume pas le chat YouTube pour les émissions. Pour la simple et bonne raison, c'est que sur YouTube, les commentaires défilent tellement vite, vous êtes aussi tellement nombreux là-bas qu'on n'a pas le temps de prendre les questions en compte. Ça défile beaucoup trop vite et c'est beaucoup plus simple d'utiliser la partie commentaires et questions qui se trouve sur le site nuria.tv parce que les questions restent. Je peux revenir en arrière, je peux vraiment voir aussi les likes sur certaines questions et à ce moment-là, sélectionner des questions qui ont beaucoup de likes. C'est beaucoup plus simple pour nous et c'est aussi assez interactif parce que pour le coup, on utilise l'application Facebook pour le moment et ça nous permet donc de pouvoir vous retrouver, de pouvoir discuter un petit peu plus ou de vous retrouver vous aussi pour échanger entre vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Et voilà, un petit coucou d'ailleurs à tous ceux qui participent et qui sont déjà là depuis très tôt ce matin. Il y a eu pas mal de commentaires. C'est vrai que l'émission d'hier a été intense. Alors j'espère que vous avez bien dormi. Et je suis très contente qu'on enchaîne cette émission sur cette deuxième journée accolée à la première émission parce que ça permet de garder toutes les informations bien fraîches en tête. Et là, ce soir, on va en avoir besoin parce que la partie ardue du dossier, c'était hier en deuxième partie de soirée. Et là, on va commencer par cette partie ardue, on va la reprendre. Et si vous avez des questions là-dessus, d'ailleurs, n'hésitez pas. Mais ça va être passionnant ce soir également. En tout cas, moi, je suis ravie de pouvoir, grâce à toi, Stone, faire ces émissions. Comment vas-tu? Parfaitement bien, ça va, toujours content de me retrouver avec vous. Je salue mes camarades mammaliens de la planète du carré, et puis j'espère que ce soir on va pouvoir avancer encore sur ce dossier. Voilà. C'est clair. Bonsoir à tous les OMI de l'astre froid du carré, voilà, et aux autres, hein. Et merci pour ce laborieux travail qu'on essaye de décrypter tous ensemble laborieusement, mais on y arrive. Il y a Didier qui nous dit « Bonsoir à toutes et à tous, j'ai aimé l'émission d'hier sur un sujet que je ne connaissais pas et qui a poussé la réflexion sur d'autres sujets tout aussi passionnants. C'est bon, je suis installée, vous pouvez y aller. » Voilà, c'est ça qui est génial. Voilà, avec le dossier humide, c'est ce que j'ai aimé, c'est que on ne reste pas seulement sur le dossier humide, mais ça ouvre tellement de questions et tellement d'autres voies qu'on avait laissées tomber, qu'on avait mis de côté depuis le lycée ou la fac et qu'on reprend après parce que ça nous donne tellement envie d'en savoir plus et de comprendre finalement tout ce qu'ils ont réussi, semble-t-il, à comprendre avant nous et qu'ils nous partagent. Rien que pour ça, c'est magique de s'attarder sur ce dossier-là. Vrai ou pas, c'est vous qui décidez. Comme vous le savez, sur Nuria TV, c'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. On vous a prévenu, d'ailleurs, Stone, vous l'avez dit en première émission, on enlève le conditionnel pour pouvoir avancer plus facilement. Sinon, ça serait vraiment laborieux de dire « il paraît que… » Voilà, c'est tout du long, c'est un peu compliqué. Mais c'est à vous de décider, c'est à vous de juger, après étude du dossier, si pour vous, ça paraît être un… on va dire potentiellement vrai ou potentiellement faux, parce que pour le moment, j'ai l'impression que personne ne peut dire vraiment de façon catégorique complètement si c'est vrai ou faux, même si d'un côté, il y a quand même plus de dossiers et de faits que d'un autre, mais ça, c'est à vous de juger et à vous de faire vos propres recherches, de mélanger les informations, de les comparer, d'aller voir, comme vous l'avez dit Stone, tous les autres ouvrages qu'il a pu y avoir dessus et surtout de commencer par la lecture de ses courriers. Ce sera déjà une bonne base. Déjà, vous comprendrez toutes les informations qu'il y a dedans et à quel point c'est surprenant, vraiment. Donc, voilà, très contente de continuer avec vous cette soirée. Sur le livre, donc on en était à la partie métaphysique, hein, la métaphysique chez les humites. Donc, pour ceux qui l'ont, page 117, nous en sommes là. Sortez les cahiers, les stylos, c'est parti. Bon. Alors, pour souligner ce que disait Nora, et je suis tout à fait d'accord avec elle, ce qui compte dans ce dossier, finalement, c'est le contenu. Et c'est un contenu qui vous pousse à essayer de vous améliorer, à essayer de comprendre, voilà, et pour essayer de comprendre quelle est la place de l'homme dans l'univers. Donc ça, c'est un gros, gros moteur. Et finalement, de savoir si ce sont vraiment des extraterrestres qui ont écrit ces lettres ou pas, enfin ces rapports, ben, quelque part, ça devient presque accessoire parce que le contenu est tellement fort que déjà, je pense que c'est d'une grande valeur pour la progression personnelle. Alors, juste avant de repartir sur la métaphysique humide, il y a des gens qui m'ont posé la question et qui m'ont dit « Mais pourquoi tu t'es mis à écrire un bouquin, etc. etc. » Et donc,
Ça vient tout simplement d'une lettre qui a été cataloguée sous le numéro NR23. NR, c'est nos références. Et qui a été envoyée en 87 à un fameux Espagnol qui s'appelait Rafael Farriols. Et dans ces lettres, il est dit ceci. « Ceux d'entre vous qui avaient des dons professionnels relatifs à l'humanisme doivent contribuer à les mettre à la disposition d'amis ou d'autres hommes sous des normes idéologiques pures. » Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais bon, c'est ce que je dis dans le livre en plaisantant, moi, à part écrire et nager le crawl, bon, je ne sais pas faire grand chose d'autre. Donc, je me suis dit, ben, je vais écrire quelque chose sur ce dossier que j'étudie depuis plus de 25 ans, et c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose que j'ai trouvé très intéressante et qui reprend un peu, qui fait lien avec ce que disait Nora, sur le fait qu'il faut faire attention. Je ne tiens pas à ce que vous substituez ma pensée et mes analyses de ces textes à la vôtre. Chacun doit faire son parcours là-dedans. Et voilà, vous devez en tirer les conclusions, mais ça demande du travail, il faut bosser, quoi. Donc, si vous balancez des réflexions à l'emporte-pièce sans avoir réfléchi, sans avoir un peu étudié le dossier, c'est un peu dommage. Et que disent les humides dans une autre lettre, c'est assez intéressant, c'est un peu violent même, presque. C'est dans la D47. Qui date de 1966, ils disent « Vous souffrez », ils s'adressent à, je ne sais plus à qui ça va, à Sesma, ben c'est à Sesma, donc le premier destinataire des lettres connues, Fernando Sesma Manzano, « Vous souffrez donc d'une grave déficience », ils parlent de l'humanité, « le manque sévère d'esprit critique et, ce qui est encore plus grave et désolant, le manque de patience. Cette impatience est caractéristique de toutes les personnes qui ont un faible niveau mental. » Bon, allez-y, prenez-vous ça. Voilà, le temps est nécessaire, et ils le disent tout le temps ça, le temps est nécessaire pour assimiler des concepts, pour les comprendre et pour les mûrir. Et alors là, c'est souligné en plus la phrase suivante, « Seuls les retardés mentaux peuvent croire qu'il existe une méthode pour fortifier l'homme spirituellement, méthode qui puisse se condenser en une vingtaine de pages dactylographiées et être assimilée en deux petites heures. » Ça résume bien ce que sont ces textes humides. Ils sont complexes. Dans le temps, ils construisent quelque chose d'assez formidable, mais il faut aussi beaucoup de temps pour les analyser et pour en tirer la substantifique morale. Et ils terminent, et ça s'adresse à tout le monde, et à moi en particulier, « Ceux qui n'ont pas assez de patience pour l'étude, la méditation, alors ça on va y venir, et l'analyse peuvent se considérer comme totalement condamnés, ils perdent leur temps en écoutant nos rapports, puisque Sesma les lisait à la Baleine Joyeuse, tout comme ils le feront, perdre leur temps en lisant d'autres traités écrits par des spécialistes de la Terre. » Bon, c'est pas intéressant ça quand même. Et ça vous montre quel genre d'attitude on devrait tous avoir par rapport à ce dossier, c'est-à-dire ce qui compte finalement, c'est son contenu. Mais son contenu, moi je le connais pas mal, mais je n'ai pas une mémoire exhaustive de tout ce qui a été prononcé dans ces 1400 pages. Donc, il vous appartient d'aller vérifier ce que je dis et de vous faire votre propre opinion. Alors, maintenant, on va revenir donc à notre métaphysique. Oui, juste avant, il y a Jean-Claude qui dit « Ah la vache, ils ne sont pas tendres !» Et Tyler qui nous dit « Une chose est certaine, ce dossier-là n'est pas banal, il est hors du commun. » Absolument, il est hors du commun. Et donc, je répète, vous ne pouvez le juger qu'en ayant lu son contenu. Et c'est vrai que des fois, ils ne sont pas tendres avec nous. Il ne faut pas croire qu'ils nous brossent toujours dans le sens du poil. Là, ils nous engueulent un petit peu, justement. Il y a Bertrand, d'ailleurs, qui dit « Il me plaisent ces humites, bien tranchants. Voilà, » Ça plaît à certains. C'est franc. C'est franc, ils sont francs, ça c'est absolument certain. Alors, on va repartir là où on s'est arrêté hier, sur les concepts métaphysique, que je trouve le bon bouton, humide. Je vais essayer de grossir l'image au maximum. Justement, juste avant que tu repartes là-dessus, j'aimerais bien juste lire un passage que je trouve très clair là-dessus sur la métaphysique humide et la direction qu'elle prend dans ton livre. J'ai bien aimé ce passage.
où tu dis « La science actuelle majoritairement rationaliste et matérialiste affirmera volontiers que la religion, la métaphysique et en général la spiritualité sont en dehors de son domaine d'investigation. » Elle rajoutera que cette incompatibilité est induite par la définition même de métaphysique qui signifie « au-delà du physique ». La science ne pouvant étudier que ce qui est observable, mesurable, donc physique, ne peut étudier que ce qui est au-delà. CQFD. Et donc tu dis, cette affirmation a-t-elle seulement une justification scientifique? On peut en douter. Et plus loin, tu dis, réconcilier physique et métaphysique, eh bien, chers amis doués de conscience, c'est ce qu'ont fait nos amis humites. Ils ont exploré scientifiquement le domaine interdit, entre guillemets, et y ont trouvé des certitudes sur l'existence de plusieurs entités métaphysiques. Voilà. Voilà, bon, mais tout est dit, au revoir, merci. Bon, bah, merci, non, mais j'ai... mais ça montre aussi pourquoi on peut peut-être avoir des blocages, nous, parce qu'on a, on a un système de réflexion qui ne va pas aussi loin que celui des humites, et eux, en allant plus loin, ils ont pu trouver des réponses aux questions que, qu'on n'ose même pas se poser en physique. Donc, Oui, c'est-à-dire qu'on se prive de ce droit qui est d'explorer... des choses dont on n'a que des effets induits et que l'on pense ne pas faire partie du domaine d'investigation de la science. Bon, c'est un peu lié au fait qu'il y a eu une guerre très longtemps entre l'Église et la science, hein, puisque c'était l'Église qui était détentrice de la science. Et on connaît l'expérience de Giordano Bruno qui a été brûlé. Brûlé vif, et de Galilée, à qui on a, qu'on a obligé à se rétracter sur le fait que la Terre tournait sur elle-même et tournait autour du Soleil. Bref, la science ayant été, comment dirais-je, brimée par l'Église, qui était représentant la spiritualité pendant très très longtemps, a fini par faire une aversion sur tout ce qui concerne la spiritualité. Et du coup, on a un peu cette dichotomie qui n'a aucune raison scientifique d'exister. Mais ceci dit, il y a quand même des scientifiques qui essayent d'explorer les phénomènes de conscience qui restent ouverts. Mais c'est vraiment une minorité, quoi. Et souvent, dans les labos, si vous dites que vous faites des expériences pour essayer de prouver, enfin, si vous disiez que vous faites des expériences pour essayer de prouver l'existence de l'âme, mais les budgets seraient coupés immédiatement, quoi. Vous ne pouvez pas vous permettre ce genre de choses. C'est effectivement un problème. Et les humites ont réussi, eux, sont passés outre ce phénomène. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils l'ont connu. Je crois qu'ils ne l'ont pas connu. Et ils ont la preuve scientifique, effectivement, que ces entités non physiques, que nous, nous appelons âmes, qu'eux appellent différemment, existent. Alors, ils ont connu un autre blocage, semble-t-il, mais ce n'était pas celui-là, une sorte de ralentissement avec le libre arbitre, justement, cette idée que tout serait programmé. Et donc, à ce moment-là, même si on faisait des choses mauvaises, ce ne serait pas notre faute, c'est programmé. Et ils sont restés, ils disent qu'ils sont restés un certain temps là-dessus avant de continuer à évoluer et à apprendre que non, ce n'était pas aussi simple que ça. Ben, de toute façon, c'est vrai que cette histoire de libre arbitre, parce qu'on va voir que l'âme, pour les humites, on a une âme collective planétaire qui est liée à un phylum biologique, et on a une âme individuelle. Et il y a un problème, c'est qu'ils nous disent que... Alors, je vais y venir au fur et à mesure, parce que sinon... Ouais, allez, je t'en prie. J'ai tellement de questions. Allez, hop. Je me tais, je t'écoute, c'est parti. Alors, donc, nous avons vu... Il y a que pour les humites, il n'y a pas un seul univers, mais il y a une gerbe d'univers qui sont tous intriqués. Et je ferai peut-être une explication là-dessus parce que les gens n'arrivent pas bien à comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Quand on leur dit qu'il y a une gerbe d'univers, nous, notre représentation de cette gerbe d'univers, c'est des petites boules séparées dans l'espace. Et pour les humites, ce n'est pas du tout ça. Je vais peut-être commencer par ça parce que... Donc, les humites nous disent, nous, nous considérons qu'il y a une gerbe d'univers et qu'ils sont tous présents au même endroit, pour dire quelque chose. Chaque un de ces univers est comme une feuille de papier, voilà, on va dire ça, avec deux faces. C'est une surface qui n'a pas d'épaisseur, là, une feuille de papier a une épaisseur, mais ils pourraient considérer que c'est, on va dire ça, on va parler en deux dimensions pour l'instant, parce qu'on verra que ça a plus de deux dimensions. Et cette gerbe d'univers,
pour chacun de ces univers doubles, donc cet univers de face, la vitesse de la lumière en son sein est différente. Dans chaque univers double, donc la vitesse de la lumière est toujours indépassable, mais elle est différente dans tous ces univers qui sont un très grand nombre, un nombre quasi infini. Et si on range cette gerbe d'univers par ordre croissant de vitesse de la lumière, on a, je me répète pour hier, pour ceux qui n'étaient pas là, on a d'un côté de cette gerbe d'univers un univers où la vitesse de la lumière est zéro, et de l'autre côté, à l'autre bout de cette gerbe d'univers, un univers où la vitesse de la lumière est infinie. Les humites nous disent que ces univers ne sont pas des univers physiques, ce sont des univers psychiques. Mais comment se fait-il qu'on ne les perçoive pas? Alors, ces univers, ils sont, où sont-ils? Comment ça se passe? Alors, il faut bien comprendre que la métaphysique humite étant liée à la physique, eux, ils conçoivent l'univers d'une façon assez particulière, et je vais faire simple pour commencer. Donc, vous imaginez justement que vous avez une feuille de papier en face de vous. Et c'est une feuille de papier. Alors, ce n'est pas une feuille de papier, c'est une surface. Donc, une surface avec deux faces. Mais ce n'est qu'une surface, elle n'a que deux dimensions. Elle a la dimension largeur, hauteur. Si d'un seul coup, vous faites faire une rotation à cette feuille, à 90 degrés, bon là, c'est mal fait parce que ma feuille est tordue, comme cette surface n'a pas d'épaisseur, elle va disparaître de votre vue. Mmh. Alors, en réalité, bon, ce n'est qu'une image, attention, hein, c'est didactique, je ne vous décris pas la réalité, c'est juste une image pour vous faire comprendre certains concepts humides. Cette surface, donc vous pouvez l'étendre autant que vous voulez, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on a une vision binoculaire, donc forcément, on verrait toujours les deux côtés de la feuille. Mais imaginez que ce soit un cyclope, que vous soyez un cyclope, vous n'essayez qu'un seul point de vue. Si vous faites faire une rotation à cette surface, elle disparaît de votre vue et elle disparaît de vos instruments de mesure parce qu'elle n'a aucune épaisseur, zéro. Elle peut même vous traverser, à la limite, vous ne sentiriez pas sa présence. Et si vous faites de nouveau votre feuille comme ça, une rotation, hop, dans le même sens, d'un seul coup, elle va réapparaître et ce que vous verrez, ce n'est plus le recto, c'est le verso. Bon, maintenant, si on prend, pour aller un petit peu plus loin, au lieu de prendre une feuille, on prend un parallélépipède rectangle, on se rend compte qu'on a toujours on a trois dimensions, ce coup-ci, une largeur, une hauteur, une profondeur. D'accord. Mm-hmm. Alors, vous pouvez écrire dessus ici hauteur, ici largeur, ici profondeur. Et vous vous rendez compte, si vous faites une rotation sur un des axes, on va prendre par exemple l'axe de la largeur, il se passe quelque chose d'assez étrange. Quand vous lisez ici ce qu'il y a écrit, pas plutôt ici, il y a écrit « hauteur ». Oh, mais c'est bizarre. Pour moi, d'un seul coup, c'est devenu de la profondeur. Ici, mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Oh, j'avais écrit « profondeur ». Mais c'est bizarre. Pour moi, c'est devenu de la hauteur. Et là, il y a écrit quoi, largeur? Ah, c'est resté de la largeur. Donc, les choses se sont transformées en autre chose. Mais j'aurais pu faire une rotation comme ça. Et là, on aurait eu un nouveau changement différent. Oui. Et alors, les humites nous expliquent que nous considérons l'univers est à quatre dimensions, dans la théorie standard, on va dire, trois dimensions d'espace, hein, largeur, hauteur, profondeur, et une dimension temporelle, c'est l'espace-temps de la relativité générale. Les humites disent, nous, pour décrire l'univers, il nous faut 12 dimensions. L'univers est décadimensionnel, il a 12 dimensions. Ah bon, d'accord. Alors ils disent, ben, il y en a trois comme vous, trois dimensions d'espace, une dimension de temps, et il nous faut six dimensions pour décrire la masse. Okay. Voilà. Et alors, il s'avère que les éléments qui sont à l'origine de leur conception de l'espace, je vais y revenir un petit peu après, ils ont aussi 12 dimensions. Et alors, cet espace à 12 dimensions, il suffit qu'on fasse une rotation dans un de ces 12 axes pour que certaines choses se transforment en d'autres choses. Au même titre que de la hauteur pour mon parallélépipède s'est transformé en largeur, et bien dans le modèle humite, quand on fait une rotation, on peut très bien avoir du temps qui se transforme en espace, de la masse qui se transforme en temps, etc. etc. Et effectivement, ces autres univers, ils sont où? Ben, ils sont là. C'est-à-dire, c'est comme cette feuille, cette surface qui n'a aucune épaisseur, qui vous traverse, vous ne pouvez pas la sentir si elle est orientée d'une certaine façon,
ils sont là, ils ne sont pas comme dans la représentation qu'on a habituellement des univers bulles, des univers éloignés dans l'espace. Et il suffit de faire des rotations, donc des déphasages, on va dire, pour changer d'univers. Et c'est ce que font les humites, et sans doute d'autres, enfin, d'après les textes, hein, c'est ce que font les humites et d'autres races extraterrestres pour faire disparaître leur nef et prendre des raccourcis dans l'espace-temps et voyager apparemment plus vite que la lumière, mais en réalité, ils ne voyagent pas plus vite que la lumière. On verra peut-être ça plus tard. Bon, voilà, tout ça, c'est pour expliquer que c'est très complexe, mais c'est très, très, très cohérent. Et c'est vrai que quand on parle de 12 dimensions, les gens vont dire « Oh, mais c'est la théorie des cordes !» Parce que... C'est ce que j'avais sous les yeux, Philippe, qui venait juste d'écrire « On se rapproche de la théorie des cordes en nombre de dimensions. » Eh bien oui et non, et non. Et alors là, je vais faire un petit aparté sur le fait que souvent, nous raisonnons par analogie. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un papou qui voit dans le ciel, je ne sais pas si les gens connaissent le culte des cargos, un avion passer très haut dans le ciel. Ça ressemble à un oiseau, donc c'est un oiseau. C'est un raisonnement par analogie. Mais ça n'a rien à voir. Un avion, ce n'est pas un oiseau, c'est beaucoup plus gros, c'est fait en métal, ça n'a pas de plumes, ça ne pompe pas d'œufs, ça transporte des gens dans son ventre. Ce n'est pas un oiseau. Mais pour quelqu'un qui ne saurait pas ce que c'est que le raisonnement par analogie, il va faire ce raisonnement par analogie. Et là, c'est un petit peu pareil. On va avoir tendance à dire « Ah, 12 dimensions, ça ressemble à la théorie des corps, donc c'est la théorie des corps. » Non. Il y a deux, trois éléments qui sont semblables, comme ce papou qui regardera un avion, et ça a des ailes, et c'est dans l'air et ça vole. Mais tout le reste, c'est complètement différent. Ce n'est pas la même chose. Et effectivement, il y a une des variantes de la théorie des corps, parce qu'il y a cinq théories des corps, on va dire, qui stipulent dont le modèle est qu'il y a 12 dimensions, voilà, et que ces dimensions sont organisées sous forme de branes, donc de feuillets comme ça, que la lumière ne passe pas entre ces branes, ce qui est le cas dans la cosmologie humite, mais que seule la gravitation peut passer à travers ces branes, ce qui est aussi le cas dans la cosmologie d'une façon différente. Mais ça s'arrête là, voilà. La physique et l'astrophysique et la cosmologie humide, ce n'est pas la théorie des corps. Alors, je vais revenir à mon petit dessin. Bah écoute, il y a Bertrand qui nous dit « ça y est, je saigne du nez, mais on peut continuer, je crois que j'ai dans les 6 litres en stock ». Bon non, je ne sais pas si c'est clair, mais je voulais quand même mettre en garde les gens sur le fait de raisonner par l'analogie ou de considérer que... parce que la conception du principe créateur ressemble à telle religion, c'est telle religion. Non, ça n'a rien à voir. On peut y avoir des petites ressemblances comme ça, mais ça n'a rien à voir. Alors revenons à cette histoire. Donc nous avons vu que dans cette gerbe d'univers, ce dessin représente trois particuliers. Le bleu, c'est l'univers où la vitesse de la lumière est zéro. C'est une espèce d'univers qui est fixe, mais qui arrive quand même à stocker de l'information. Et où se situe ce que les humides appellent par défaut, puisqu'on n'a pas d'autres mots, l'âme individuelle. Leur mot, c'est « bouahoua », et je pense que ça a que la définition est beaucoup plus complexe. Donc vraiment, âme individuelle, c'est un terme très très approchant, quitter toute une partie de la complexité de leur vocable. Au milieu, on l'a... un univers, on va dire, normal, où peuvent vivre des êtres humains. Ici, on va dire que c'est le nôtre. Et on voit que cet homme, il a des liens avec cette âme individuelle. Le symbole de ces liens, c'est ce petit dessin-là, ou un bois. Et je vous ai dit hier qu'on n'avait pas qu'un seul lien, on avait deux liens, finalement, avec ces deux univers psychiques. Et ce troisième univers, où la vitesse de la lumière est infinie, c'est l'univers de ce que les humites appellent l'âme collective, et qu'ils appellent phonétiquement Bouaoué Biaiei, que l'on abrège souvent en bébé, qui est symbolisé par cet idéogramme-là. Et je disais que ceci a un lien direct avec leur logique et leur ontologie, sachant que l'ontologie, c'est la science qui étudie l'existant, ce qui existe ou ce qui n'existe pas. Alors là, je vais peut-être revenir
faire peut-être un petit détour par la logique et l'ontologie du mythe. Et on va voir que nous, ces fameux univers psychiques, on ne sait pas où les classer. Ça existe ou ça n'existe pas? Comme on ne sait pas où classer une pensée. Une pensée, ça existe ou ça n'existe pas? Ça, on ne peut pas la peser, une pensée. On ne peut pas la mesurer, on ne sait pas combien de centimètres ça fait. Mais en tout cas, ça peut avoir des effets sur des événements réels, comme par exemple, ça peut déclencher une révolution. Une tradition populaire, ça existe ou ça n'existe pas? Vous voyez, nous, on ne sait pas où classer ces choses-là. Et les humites, eux, savent où le classer parce qu'ils ont une logique tétravalente, c'est-à-dire c'est une logique à quatre valeurs. Et je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Alors, nous fonctionnons selon ce qu'on appelle le principe du tiers exclu d'Aristote. Et le tiers exclu d'Aristote, c'est ça. Donc là, si vous voulez, j'ai mélangé l'ontologie, existe, n'existe pas, avec la logique, vrai ou faux. Parce que nous avons un système logique aussi qui est basé sur le principe du tiers exclu, qui n'a que deux valeurs. Toute troisième valeur est exclue. Il n'y a pas de troisième valeur possible. Notre logique dit que quelque chose est vrai ou quelque chose est faux. Il ne peut pas être entre les deux. Et quelque chose existe ou quelque chose n'existe pas. Et donc, ça nous pose des problèmes parce qu'effectivement, vous voyez que ces fameuses pensées, idées, etc., on ne sait pas où les classer. Alors, les humites vont plus loin. Alors, je ne sais pas comment je vais passer à un autre document, si je peux le faire directement ou pas. Non, il faut que tu... Il Bah faut là, on te que je voit. continue, etc. Hein. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà comment les humites modélisent leur logique et leur ontologie. Est-ce que vous voyez tout là? Oui. Oui, voilà, c'est ça. Nous avons deux groupes. Vous voyez le grand cercle jaune? Que le grand cercle jaune, c'est ce qui existe. Et le grand cercle rouge, c'est ce qui n'existe pas. Et alors, ce qui est étrange, c'est que chez nous, ce sont des ensembles disjoints, ils n'ont aucun point commun. Chez les humites, ils ont des points communs, qui est la zone orange, qui appartiennent à la fois à existe, à la fois à n'existe pas, à la fois à vrai jaune et à la fois à faux. Alors, on va voir que c'est très utile finalement et que ce système tétravalent à quatre valeurs nous affranchit de certains paradoxes mathématiques qui nous bloquent et qui bloquent la réflexion de nos scientifiques. Et alors, il y a une quatrième valeur qui est en dehors de tout ça, qui est ni n'existe, ni n'existe pas, et c'est la partie bleue qu'ils appellent Aioa, Aemie, et c'est là-dedans que les humites rangent ces entités qui ne sont pas physiques, comme l'âme individuelle, l'âme collective, Dieu, une tradition populaire, une pensée, une émotion. C'est rangé dans cette catégorie ontologique, cette catégorie d'existence, là, bleue. Et nous, on ne sait toujours pas les classer. Et dans la partie orange, vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est que ce truc qui existe et n'existe pas en même temps? Eh bien, par exemple, on peut ranger ce qu'on appelle la superposition quantique. Et la superposition quantique, c'est tout simplement que le fait que certaines particules microscopiques sont soumises à des effets quantiques et qui peuvent être dans deux états à la fois. Ils peuvent être vrais et faux à la fois. Et ce truc-là, ce n'est pas uniquement parce que nos appareils de mesure. Et ce n'est pas du tout parce que nos appareils de mesure ne sont pas assez performants pour déterminer si c'est vrai ou faux à la fois. C'est que par nature, c'est vrai ou faux à la fois. Ce sont donc des états superposés que notre science utilise pour essayer de construire des ordinateurs quantiques qui vont révolutionner l'informatique. Tu avais une Dis-moi. question? Oui, est-ce que tu pourrais remettre le dessin là qu'on vient de voir? Oui? Et juste pour donner un exemple, les amis, je vais juste vous lire l'explication humite, c'est un tout petit passage à la page 135 de ce schéma-là dans la partie orange. Alors bien sûr, il y a les termes ayo, yaou. Moi, je vais juste vous dire la partie orange, la partie jaune, ça sera plus simple. Je vais remettre à l'écran et voilà comment ils l'expliquent, eux. Et donc, pourquoi je te remercie, Stone, pour le travail que tu fais, de nous expliquer tout ça.
avec des mots simples. Donc, ils disent que la partie orange peut parfois se projeter dans l'axe classique, partie jaune, partie rouge, vrai, faux. Si l'actualisation du phonème prédit survient ou lorsque la certitude qu'elle ne surviendra pas est atteinte. S'il faut absolument tenter de mettre une signifiance en linguistique terrestre sur ce terme, la partie orange serait l'état d'un phénomène indéterminé dont l'émergence est perceptible ou fortement prédictible, mais dont plusieurs actualisations sont envisageables en fonction des différentes distorsions inhérentes au flux temporel qui saurait moduler sa concrétion. Je crains cependant que cette définition absconse soit une source de confusion pour vous. Alors je vais... Gentil de dire, les émites. Alors je vais l'expliquer justement, parce que finalement c'est très simple. Ouais, à la deuxième lecture, hein, moi c'est la deuxième, j'ai ah d'accord. Oui. Non, mais je vous donne un exemple précis qui va expliquer ce que ça veut dire. Un tremblement de terre, on sait que sur Terre, forcément, il va y avoir un prochain tremblement de terre quelque part. D'accord ? Mais on ne sait pas quand. Donc ce phénomène, le prochain tremblement de terre, il est dans la partie orange, à Eouyaou. C'est-à-dire qu'il est prévisible, on sait qu'il va avoir lieu, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'actualiser. Alors, par exemple, on pourrait dire, le prochain tremblement de terre est prévisible dans le mois qui vient. Si au cours du mois qui vient, il y a ce tremblement de terre, il va se projeter dans la partie jaune, vrai. Mais s'il n'a pas lieu le mois prochain, il va rester dans cette partie orange. Et pour certains phénomènes, ils vont même pouvoir se projeter dans la partie fausse, rouge. Bon, je ne sais pas si ça a été... On a passé le mois où il aurait dû y avoir potentiellement ce tremblement de terre. Si on a passé ce mois, on peut le passer dans la partie rouge. Donc, à tel mois, il n'y avait pas... Cette prédiction qu'il y aura un tremblement de terre dans le mois qui suit est devenue fausse. Et donc ça permet de s'affranchir de certains paradoxes mathématiques et de certains bouclages. Ça ressemble, tu sais, au chat de Schrödinger, tu en parles d'ailleurs. C'est ça. Dans cette idée-là. Oui, c'est un état superposé. Alors le chat de Schrödinger, je ne sais pas si je vais revenir dessus. Sur Nuria, on l'a déjà abordé plusieurs fois. Donc... On en conclut que le chat est à la fois mort et vivant. Ça peut paraître idiot parce qu'on s'est rendu compte que... Pardon, excuse-moi, tu vois, comme quoi, je te l'avais dit, hein, sur Nuria, on l'avait déjà vu. Il y a Philippe qui nous dit la partie orange, deux points, le chat de Schrödinger. Donc, Voilà, parfait, absolument. Un tas superposé. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire là-dessus. Donc, oui, on voit que cette ontologie et cette logique permet de classer la façon, leur physique et leur cosmologie. Donc, on sait où se trouvent les univers non physiques, qui sont dans la partie bleue. On sait qu'il y a des événements qui sont dans la partie jaune, des événements qui sont dans la partie rouge, et d'autres qui sont indéterminés, mais qui vont peut-être s'actualiser ou pas. Donc tout ça, c'est vraiment très cohérent, quoi. Alors, pour revenir à la métaphysique, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Je vais revenir sur ma petite illustration. C'est que je l'ai noté là, d'ailleurs je reviens un peu en arrière. La métaphysique humide est située de recherche scientifique, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier ça. Et ce système-là, c'est un système parfait. Et pour les humides, interagir dans ce système complexe, c'est créer de l'entropie, c'est-à-dire du désordre, créer des problèmes, phagocyter la structure et le fonctionnement, et finalement altérer le bon fonctionnement de l'univers. Et ce qui est important, c'est donc que ça explique que les humides ne cherchent pas à interférer avec nous de façon massive, parce que en interférant de façon massive, nous aurions tendance à substituer leur mode de pensée et leur concept au nôtre, et donc nous perdrions notre libre arbitre, on va dire, évolutif, et la liberté de créer des idées qui nous sont propres, des concepts qui nous sont propres, et ça fragiliserait ou ça rendrait moins efficace le processus univers. Car l'univers,
d'une certaine façon. Ce n'est pas juste un objet avec de la matière qui crée, qui forme des étoiles et des planètes. C'est un processus qui est en formation et qui s'enrichit, qui s'auto-enrichit au fil du temps grâce justement à l'activité de l'être humain et aux interférences qu'il a avec ces deux univers non physiques. Est-ce que je résume là? Chaque ethnie planétaire doit évoluer selon ses propres choix, son libre arbitre pour que le système fonctionne correctement. Alors, ceci explique en partie, justement, les gens se posent toujours la même question, mais alors pourquoi ils interviennent pas? Pourquoi ils viennent pas avec leur soucoupe volante, etc., etc. Voilà. C'est un principe qu'ils ont élevé au niveau de principe moral. Et le seul cas où ils disent qu'ils pourraient intervenir, si on était en phase ultime d'autodestruction. Et ils ont failli le faire lors du problème du canal de Suez, c'est 73 si je m'abuse, quelque chose comme ça, parce que les grandes puissances ont failli appuyer sur le bouton. Et voilà, ils le disent dans une lettre qui est la D1378, si je me souviens bien, que c'est le seul cas où ils auraient non seulement l'autorisation morale, le droit moral d'intervenir, mais l'obligation, s'ils étaient persuadés que nous sommes en phase d'autodestruction imminente. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la métaphysique humide? Je vais reprendre un peu, je vais suivre un petit peu le fil du livre. Et il y a peut-être des questions d'ailleurs, Nora. Ouh là, pour le moment, ça a boubou à la tête. Hein. Pour parler un petit peu plus simplement. Alors, des Jean-Pierre Després qui nous dit « Oh là là, me voilà de retour en maternelle ». Voilà. Jean-Claude qui nous dit « C'est vrai que cette logique est intéressante, ça permettrait aussi de moins opposer ses points de vue et ainsi mieux avancer ». D'une certaine façon, oui, parce que c'est vrai que le fait d'être bloqué dans une logique binaire où les choses sont bien ou mal, etc., ça nous bloque sur plein de principes et ça nous fait fonctionner de façon binaire. Alors après, les humides disent qu'ils n'utilisent pas leur logique tétravalente dans les conversations ordinaires. C'est surtout les scientifiques qui utilisent ça, etc. Au même titre, comment dirais-je, je ne sais plus quel exemple, qu'on n'utilise pas la mécanique quantique pour peser nos légumes quand on va faire nos courses, quoi. C'est-à-dire que leur fonctionnement, le fonctionnement de leur cerveau est habitué à cette logique tétravalente, mais ce n'est pas d'un emploi, quand ils ont des discussions non transcendantes, ils ne vont pas l'employer à tout bout de champ. Et c'est vrai que l'erreur qu'on fait souvent quand on lit les textes du Mire, c'est après vouloir mettre tout à la sauce de la logique tétravalente, quoi. Bon. Ah, pardon. Non, je t'en prie. J'avais une question de Clément Descamps qui dit « Bonsoir à tous. Question. Gerbe d'univers double égale plusieurs dimensions ?» Donc, c'est une question. « Ou chaque univers double possède-t-il les 12 dimensions ?» voire plus selon certains, et si cela est le cas, est-il possible que certains humains dits « conscients », entre guillemets, soient en avance métaphysiquement parlant vis-à-vis de nos frères humites, humains ou autres, ou ils ne nous disent pas tout, ce que je comprendrais très bien. Merci. Bon, la question est un peu longue. Il y a plein de questions dans la question. Est-ce qu'il y a plusieurs dimensions? Est-ce que chacune de ces dimensions a aussi un univers double, un univers miroir ou... Voilà. Cette idée-là, alors, déjà. Je vais reformuler. Chacun de ces univers, il est juste déphasé. Donc, il y a une petite rotation, on va dire, comme l'histoire de la feuille de la surface tout à l'heure. Par rapport au nôtre, c'est pour ça qu'on ne le perçoit pas, mais chacun de ces univers doubles a 12 dimensions. Voilà, il a 12 dimensions. Et est-ce que les êtres humains ont de l'avance métaphysique par rapport aux humains? Je ne comprends pas bien la question. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont des capacités métaphysiques comme la télépathie, la précognition, etc. Est-ce qu'ils sont en avance sur les humides? J'en sais strictement rien. Le fait est qu'ils disent qu'ils ont essayé de communiquer avec nous par télépathie, qu'ils n'y sont jamais arrivés. Alors, ils disent ça dans des lettres anciennes, et que ça faisait partie d'un de leurs sujets d'étude, justement, de voir si nos deux esprits collectifs étaient reliés. Parce qu'on voit très bien
dans un dessin que j'ai pas là. Oui, c'est vrai que c'est dans le livre et c'est comme un esprit collectif des esprits collectifs. Hein, c'est plus haut. Enfin, en tout cas, qu'on soit relié par quelque chose d'autre, ils essaient de chercher ça pour l'instant et effectivement, ils disent qu'ils n'ont pas trouvé. Si vous voulez, pour les humites qui sont télépathes, ils précisent que la télépathie, pour passer d'un être humain à un autre être humain, passe par l'esprit collectif. Donc, l'âme individuelle envoie des impulsions, décide d'envoyer un message télépathique. Le cerveau, grâce à ce lien de ces fameux atomes de krypton, de ce lien OMUA, envoie son message télépathique, ça passe par l'esprit collectif et cet esprit collectif relie tous les êtres humains. Et donc ils expliquent que le message est envoyé un peu comme un émetteur radio enverrait une fréquence radio, que tous les récepteurs radio seraient capables de percevoir à condition qu'ils soient branchés sur la bonne fréquence. Et que chacun a un récepteur dans sa tête qui est capable de recevoir, on va dire, une seule fréquence. Donc, quand on envoie un message télépathique à quelqu'un, alors ce ne sont pas des fréquences, hein, c'est juste une image, mais ce message qui voyage et qui pourrait être potentiellement capté par n'importe qui ne sera capté que par la personne à qui il est adressé. Ok, je l'ai trouvé. Je peux lire ce passage? Je t'en prie. Page 174. Tous les hommes du mot sont donc intégrés dans ce Buae Biae, excusez-moi pour la prononciation, ou esprit collectif. Mais existe-t-il un esprit plus ample qui embrasse tous les êtres du cosmos? Notre esprit collectif et celui des hommes de la Terre sont-ils aussi fondus, entre guillemets? Humblement, nous confessons que nous l'ignorons. S'il en était ainsi, nous pourrions communiquer télépathiquement avec vous malgré les énormes distances et nous connaîtrions quelque chose de plus haut niveau du futur que nous réserve l'humanité cosmique. Ceci est l'un des objectifs de notre mission sur Terre. Jusqu'à maintenant, les résultats ont été négatifs. Nous croyions naïvement que les scientifiques et théologiens de la Terre allaient nous apporter des éléments et nous vous avons trouvé préoccupés par des guerres stériles et de stupides polémiques faute d'objectivité scientifique. Et vous croyez tous posséder toute la vérité sans respect pour ceux qui ne pensent pas comme vous. Dans leur petit message en fin de phrase. Oui, il y a toujours des pipis qui remettent toujours les pendules à l'heure, et ils ont raison d'ailleurs. Hein. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que comme leur planète se situe à 14 années et 4 années-lumière de la nôtre, s'ils envoyaient un message radio, ou même un message par laser, le message mettrait 14,4 années pour aller chez eux, et mettrait donc ils devraient attendre 28 ans pour recevoir la réponse. Donc, ils ont un autre moyen de communiquer avec leur planète et souvent ils le font par télépathie. Alors, ça demande une concentration particulière, etc. pour eux, peut-être pas pour d'autres ethnies, mais pour eux. Et ils expliquent que, effectivement, comme la vitesse de la lumière au sein de cet univers psychique des esprits collectifs est infinie, la transmission télépathique est instantanée. Donc ça c'est très très bien quand on s'éloigne de sa planète et qu'on veut continuer à avoir un lien avec sa famille, et bien c'est pas compliqué. Le jour où on arrive à développer la télépathie, on peut l'utiliser pour communiquer instantanément avec sa planète. Donc ça c'est quand même pas mal. Et ils expliquent justement que cet esprit collectif explique beaucoup de choses chez nous qui paraissent étranges, comme la médiumnité d'ailleurs, qui reprennent un petit peu ce terme qui n'est pas bon pour eux, mais certaines capacités qu'ont certaines personnes, ça serait simplement une connexion avec cet esprit collectif finalement. J'ai pas lu ça, moi, Nora. Non, au contraire. Justement, j'essayais de retrouver ce passage où je voyais un petit peu ce Alors, si vous message-là. pouvez le retrouver, parce que moi, c'est pas l'analyse que je fais de la pensée humaine par rapport à ça. Ils ont plutôt tendance à dire que la plupart des gens qui prétendent avoir lire dans le passé, etc., etc., se trompent.
Oui, justement, ils se trompent, ils ne lisent pas dans le passé tout ça, mais enfin, je l'ai compris un peu comme ça. Alors, c'est à page 156. Comme vous n'acceptez pas l'existence donc de l'esprit collectif, les scientifiques terrestres, psychologues, entre parenthèses, ne peuvent expliquer des phénomènes d'hypnose et de suggestion, certains états de catalepsie, les communications télépathiques, les phénomènes incorrectement appelés médiumniques et de nombreuses autres manifestations appelées par les terrestres manifestations parapsychologiques. Donc, dans ce sens-là, je me suis dit, ben, comme ils disent, comme vous n'acceptez pas l'existence de cet aspect-là, de la mémoire collective, donc vous ne pouvez pas comprendre le fonctionnement de ça et ça et ça et ça. Moi, je l'ai Oui, compris comme ça. alors tu as raison, dans ce sens que, effectivement, on sait qu'il y a des expériences qui ont été faites de télépathie, par exemple, deviner la couleur de certaines cartes, etc. C'était fait de façon assez rigoureuse et qu'il y avait des résultats positifs. Et que ces résultats, effectivement, tant qu'on n'a pas une conception holistique de l'univers et qu'on ne progresse pas justement dans notre physique et cosmologie, on aura du mal à expliquer ces phénomènes-là. Mais ce que je voulais dire plutôt, c'est que certaines personnes me disent, voilà, moi je suis en communication télépathique avec un humite. Bon, alors déjà, d'après les textes, pour l'instant, c'est C'est pas impossible. possible. Et alors, oui, alors et comment tu sais que c'est un humite? Eh ben, c'est parce qu'il me le dit. Bon, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il dit qu'il va me soigner. Bon, c'est pas du tout, ça, c'est pas du tout dans l'approche humide, si vous voulez. Donc, cette personne est peut-être en contact télépathique avec autre chose, mais je ne pense pas que ce soit avec un humide. Et les humides Ah, ne. attends. Est-ce que ça serait pas avec un humite, mais pas vivant? Tu sais, comme certains sont en communication avec des âmes directement, des âmes donc non incarnées. Donc à ce moment-là, Alors, peut-être qu'il y aurait une connexion avec ces humites-là. Non, parce que si je me souviens bien, ils disent que nous ne pouvons pas communiquer avec les êtres décédés. Alors, c'est ce qu'ils disent, eux, On a des choses à vous apprendre. de leur sphère métaphysique. Maintenant, est-ce que nous pouvons? J'en sais rien. Eux ne peuvent pas. Et alors, j'ai pas souvenir de la lettre, du numéro de la lettre, mais il me semble bien qu'ils disent que la communication avec les êtres décédés. Alors, c'est contradictoire parce que. Bon, c'est assez complexe. C'est contradictoire parce que dans d'autres lettres, et on le verra après dans la solution qu'ils nous offrent liée à cet avertissement qu'ils nous donnent, donc, qu'ils nous ont donné récemment. Il parle quand même d'utiliser un défunt qui nous était cher pour pouvoir accéder à l'esprit collectif. Mais dans mon idée, c'est plus pour générer une émotion forte et que une vraie, véritable communication avec un défunt. Ceci dit, il y a des gens qui prétendent communiquer avec des défunts et j'ai pas d'opinion là-dessus personnelle, quoi. Je suis totalement ignorant, je ne pourrais pas me prononcer. C'est sûr. Et apparemment, ils cherchent aussi. D'ailleurs, j'ai bien aimé quand ils ont dit ils ont cité donc trois noms et je vais vous les dire. Donc, ils disent c'est parce que donc ces trois personnes sont les seules à avoir apporté quelques éléments que ne connaissaient pas les scientifiques Humo. Et donc, ces trois personnes sont le mathématicien physicien Albert Einstein, l'anthropologue cosmologue catholique Teilhard de Chardin. Voilà, petit clin d'œil à Stone Garden Teapot. Et le physicien cosmologue Sir Eddington. Voilà, donc ils ont quand même appris des choses par ces trois personnes sur Terre. Donc ils ne savent pas tout, ils cherchent aussi. Et peut-être que dans ce domaine-là, voilà, ils n'ont pas certaines informations encore. Bien Ou ils ne sûr, les ont peut-être pas partagées. c'est certain, ils le disent assez souvent qu'ils ne savent pas tout. Non seulement ils ne savent pas tout, mais qu'ils peuvent se tromper. Donc voilà, et ça leur arrive, notamment par le fait que, comme ils comptent en base 12, quand ils font des translations en base 10, des fois il y a des chiffres qui sont incohérents. Ça leur est arrivé plusieurs fois, et après ils s'excusent en disant oui, excusez-nous, on a fait une erreur de translation, etc. Ah oui, par contre, ils ont une capacité à revenir sur leurs erreurs et voilà, à les dire sans problème. C'est impressionnant. On n'a pas ça ici. Oui, Pas bon, ça beaucoup. serait bien Ça qu'on serait bien. puisse le faire. Ben oui, ils le font assez souvent. Et voilà. Alors, on va peut-être continuer. Ouais, avec plaisir.
S'il y a des questions, n'hésite pas. Hein, J'avais une question d'une personne, j'avais vu en plus ces questions hier et cette personne les a repostées et il faudrait que je retrouve ta question exacte, mais c'est quelqu'un qui te demandait, est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, comment ils ont fait le voyage en si peu de temps pour venir nous voir, alors que déjà donc, cette personne avait signalé que bah, tiens, il leur faut apparemment plusieurs années pour réceptionner ce code en morse et analyser, et finalement il leur a fallu quelques mois pour venir nous retrouver. Et oui. Donc, est-ce que alors, tu peux revenir dessus? Je vais l'expliquer, et il y a des très beaux dessins dans les lettres que j'ai repris dans le livre, ça doit être du côté de la page 21. Non, ça va être plus loin, excusez-moi, 71. Alors, et voilà. Alors, comme vous l'avez peut-être compris, les humides sont capables, en changeant l'axe par une rotation de certains axes de ces 12 dimensions qui conforment l'espace, le temps et la masse, ils sont capables d'emprunter des chemins plus courts. Je vais passer sur un document, ça sera plus facile pour moi et pour vous aussi de comprendre ce qui se passe. Voilà, je vais grossir tout ça. Hop, si j'y arrive, on va passer allez, on fait 100%. Voilà. Super. Donc, on va prendre un espace à deux dimensions, une feuille de papier. Si on trace un point là et un point là, représentant la Terre et Homo, la distance la plus courte pour aller de ce point à cet autre point, c'est un segment de droite. Et il n'y a qu'un chemin, c'est celui-là. Mais les humides nous expliquent que dans l'espace décadimensionnel, il existe des plis et que la feuille, elle peut se plisser de cette façon-là. D'accord ? Et là, on s'aperçoit que si on suit la feuille, effectivement, le chemin n'a pas changé, mais si on passe à travers la feuille, le chemin entre ces deux points, entre Homo et la Terre, est beaucoup plus court. Voilà, et donc c'est ce que font les humides avec leur soucoupe volante, c'est qu'ils font ce que est en train de faire le crayon, ils trouent la feuille, ils trouent cette membrane, on va dire, deux fois, une fois pour se projeter dans cet espace-là, et une deuxième fois pour réapparaître sur la surface de cette feuille. Et donc, effectivement, la lumière, elle, ne peut pas faire ça. Les photons ne peuvent emprunter que ce chemin-là. Alors, on va avoir l'impression qu'effectivement, ils voyagent plus vite que la lumière, mais ce n'est pas le cas. Et c'est un peu les concepts qu'a repris Jean-Pierre Petit dans ses différentes théories bimétriques. Et ça, il y a de très beaux dessins dans les lettres qui expliquent ça. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais... Si ça a répondu à la question. C'est clair, après pour mettre en pratique, pour visualiser concrètement, et en plus, quand, dans leur courrier, ils signalent quand même qu'il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas, donc ils peuvent apparemment transpercer, prendre ce chemin beaucoup plus court, mais qu'il faut qu'ils fassent avec des mouvements qu'il y a dans l'univers. Alors, c'est ça. C'est plissement de l'espace, c'est comme des vagues sur un océan. Ils sont variables, ils peuvent être de plus grande intensité. Ils sont difficiles à prédire, ils ont beaucoup de difficultés à le prédire, et effectivement, ils appellent ça les conditions isodynamiques de l'espace. Donc, il y a des fois où les plissements sont très faibles, et donc la distance est très peu raccourcie. Il y a des fois où ils sont très forts, et donc la distance est très raccourcie. De mémoire, ils disent qu'à un moment donné, le plissement était tellement fort qu'ils auraient pu mettre 64 jours pour parcourir les 14,4 années-lumière qui sépare Homo de la Terre. Souvent, ils mettent 6 mois. La première expédition, je crois, a mis 6 mois. Et ça peut être beaucoup plus long. Et alors, ça, c'est un peu plus compliqué. Ils attendent donc une fenêtre, que ce soit pour arriver sur Terre ou partir de la Terre et retourner chez eux. Ils attendent à chaque fois d'avoir cette bonne fenêtre de passage plus sympa pour eux, absolument, qui permet de faire un voyage plus court. Ils sont comme nos navigateurs, finalement, ils sont soumis à des conditions qui sont des conditions qui règnent dans la nature.
eux, ils sont soumis, leurs voyages sont soumis aux conditions isodynamiques de l'espace, qu'ils arrivent à prédire, mais pas avec une précision infinie. À long terme, que sur du court terme. Voilà. Donc, quand ils vous disent qu'ils doivent y aller, il faut qu'ils y aillent. Voilà, et c'est une fenêtre. Ils savent que de telle date à telle date, bon, le puissement sera important, donc il faut y aller. Ensuite, alors. Oh, j'ai une autre question. De pleine conscience famille, pseudo, qui nous dit « Bonjour Nora, bonjour Stone. Comment les humides s'y prennent-ils pour nous observer? Et certains d'entre eux se sont-ils installés sur Terre encore aujourd'hui? Karima. » Oui, ils sont là. Et on va voir qu'ils sont plus présents que jamais parce que notre société souffre de problèmes qui sont assez graves. Et ça va être l'objet de l'avertissement. Alors bon, c'est quand même un avertissement qui est un peu anxiogène, mais je vais rassurer tout le monde en disant que nous n'allons pas être rayés de la carte, il ne va pas y avoir de l'holocauste nucléaire, etc. C'est d'autres problèmes, mais c'est des problèmes qu'on peut déjà percevoir dans plein de domaines, mais j'y reviendrai plus tard parce qu'on va essayer d'avancer. Alors, on a vu qu'au niveau de la métaphysique, effectivement, ils ne souhaitaient pas intervenir en masse pour ne pas perturber le fonctionnement de notre humanité, notre créativité, notre libre arbitre et les choix évolutifs sociétal que nous pourrions faire. Alors du coup, comme je suis passé à la façon dont ils voyagent, je ne sais plus où j'en étais, certains vont dire que mon propos n'est pas du tout structuré et ils auront raison, je suis un petit peu le fil, le cours du... Et en plus, des fois, je t'arrête et je t'emmène à gauche et à droite. Et puis, des fois, je te prends des questions qui n'ont ni queue ni tête dans le développement. Donc, voilà. Et tout ça, c'est en direct, bien sûr. Alors, je vais essayer de recoller les morceaux. On était sur la métaphysique. Hein. Oui. Cette métaphysique est donc scientifique. Ils ont prouvé qu'existaient des univers qui sont des univers pas physiques. Ces univers... Alors, l'univers pas physique du Bouaou et Biaïei, il contient, alors contient, c'est pas le terme exact parce que c'est pas physique, il contient tous les esprits collectifs de toutes les planètes. Ils sont pas séparés, mais de toute façon, on peut pas parler vraiment de séparation. Qu'est-ce que je vais dire, du coup? Là, je suis en train de patauger. Écoute, moi je peux reprendre sur quelque chose qui m'interpelle toujours. Oui. Et qu'on avait parlé, c'était les atomes de krypton. Justement pour là on prend conscience que là où nous on se pose des questions, est-ce que l'âme existe, est-ce qu'on a une âme ou pas, en tout cas pour certains ils se posent des questions, eux ils ont la capacité scientifique de démontrer que l'âme existe, justement quand ils ont trouvé ces atomes de krypton, et ça serait donc eux qui feraient le lien, ce qui serait le liant même, entre l'âme et l'être humain. Et en même temps, il y avait autre chose qui m'avait interpellée, c'est qu'en les lisant, j'avais l'impression que finalement, cette âme, on lui donne beaucoup d'importance sur Terre, pour ceux qui y croient, pour ceux qui croient la réalité de l'âme, voilà. Et il y en a très peu qui y croient pas en même temps quand je dis ça. Et donc, à moins d'importance, parce que ça ne sert que d'interface, entre guillemets, pour faire un passage d'information, alors que l'être humain a cette capacité de réflexion et la conscience collective aurait aussi cette capacité de réflexion. Mais cette partie, justement, dans ton schéma, d'ailleurs, en bleu, ne serait qu'une interface. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, enfin, c'est comme ça qu'il l'explique vraiment ou pas? Non, mais c'est très complexe. Hein. Donc, il faudrait que j'aie pas mal de croquis pour vous expliquer ça. Mais déjà, on peut revenir sur le krypton parce que j'ai vu des commentaires hier. Et effectivement, les blagues qui sont sorties, c'est les blagues qu'on fait à 10 ans. Ah, mais kryptonite, c'est Superman. Bon, je pense que, chers amis, vous êtes capables de faire mieux comme blague. Parce qu'effectivement, le premier truc qui vient, ah ben la kryptonite, c'est Superman, c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Et j'ai dit hier qu'il y avait un scientifique qui est bien connu de ceux qui fréquentent les listes de discussion sur Homo. Je ne vais pas citer son nom pour l'instant. En plus, il ne m'a pas donné l'autorisation de trop citer son nom. Qui travaille, je l'ai déjà dit hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais le répéter, qui travaille depuis 15 ans maintenant
sur ces fameux atomes de krypton qui forment le lien, non pas celui que nous aurions dans l'encéphale, mais celui que nous avons tous dans les chromosomes, dans les télomères de notre ADN, de nos chromosomes. Et donc, chaque cellule vivante, que ce soit une plante ou un animal, aurait ces structures d'atomes de krypton. Et cette structure est une espèce d'émetteur-récepteur qui fait le lien justement entre l'univers physique et l'univers et ces univers non physiques. L'émetteur-récepteur, il est physique, lui, mais par un effet que les humides appellent un effet frontière, c'est la frontière justement entre le physique et le non physique, nous permettent de communiquer avec ces univers-là. Et donc, ce scientifique est sur le point de diffuser dans une revue à arbitrage, donc une grande revue scientifique, peut-être Nature ou Science, je ne sais pas, les résultats de ces expériences qui sont concluantes, c'est-à-dire que oui, effectivement, il a réussi à prouver qu'il y a bien dans les télomères de l'ADN des atomes de krypton, et ça c'est un truc qui est totalement inconnu de notre science, et les biologistes vous diront que c'est stupide parce que le krypton est biologiquement non réactif, le krypton est un gaz neutre qui a du mal et qui ne se lie pas avec les autres éléments, et que c'est un non-sens au niveau biologique. Bon, ben, donc là, ce scientifique a prouvé que non seulement il y avait des atomes de krypton dans les télomères de l'ADN, mais que c'était seulement du krypton, parce que on sait que dans les cellules, il y a d'autres gaz rares, comme le xénon, etc. On sait aussi qu'il y en a dans l'atmosphère, mais ces télomères stockent uniquement du krypton, et il a carrément réussi à prouver que c'était le nombre même d'atomes dont les humides parlent, c'est-à-dire 86 paires d'atomes de krypton, donc c'est minuscule. Voilà, donc nos expériences faites par nos scientifiques, quand il y aura la publication, on pourra y avoir accès, sont en train de prouver que ce qui est dit dans des lettres humides de 1966 et qui paraissent complètement débiles au niveau biologique, eh ben, sont vrais. Bon, alors on va attendre la publication. Alors ça, c'était pour les atomes de krypton. Et le reste de ta question, je l'ai complètement oublié. Tu vas me le rappeler. Sur l'importance de l'âme, par rapport au corps humain, à l'être humain, si tu veux. J'avais l'impression que c'était un degré plus bas de ce que je comprenais. Non, pas du tout. Comme je disais hier, c'est un intégré. C'est-à-dire que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Le système a besoin de l'âme collective, de l'âme individuelle et de l'homme. Et les humites, si je ne me trompe pas, rajoutent des lettres au vocable OMI. OMI, O-E-M-I, c'est l'être humain, la partie physique. Et O-E-2-M-I, c'est, on va dire, pour résumer, l'être humain complet, c'est-à-dire la partie physique et son âme individuelle. Voilà. Et d'accord. Ok. Non, mais je vois. Donc, quand il parlait de ça, il les dégageait et il parlait d'une partie et de l'autre, ce qui fait que moi, j'ai compartimenté et même hiérarchisé en bonne terrienne que je suis. Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'était finalement... Oui, c'est un intégré. Aucune partie n'a de sens sans les autres. Et tout ça fonctionne en parfaite harmonie. Et ce qu'ils nous disent, c'est que notre âme individuelle est douée de libre arbitre. Alors, j'ai fait tout un travail sur... je t'ai montré ça tout à l'heure sur les quatre... comment dirais-je Les quatre évolutions, en tout cas, de prise de décision. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce libre arbitre, comment il fonctionne? Et tu as schématisé tout ça. Oui. Il nous faudrait une émission entière pour... En gros, seule l'âme individuelle est douée de libre arbitre, mais pour exercer ce libre arbitre, elle a besoin des données qui lui sont fournies par le cerveau, par l'encéphale et par les capteurs du physique, de l'être humain physique, d'analyser ses émotions, d'analyser plein de choses comme ça qui sont donc fournies par le cortex, par notre réflexion. Et il y a quatre vecteurs qui vont vers cette âme individuelle qui provient l'un de l'instinct, l'autre des
des capteurs propriocepteurs, c'est-à-dire internes, savoir si on est fatigué, si on est malade, etc. Des capteurs percepteurs, nos yeux, nos oreilles, nos sens de toucher. D'autres qui viennent, un autre flux donc, d'informations qui va vers l'âme individuelle, c'est le flux qui vient de notre mémoire. Et le dernier flux, je ne sais plus, j'ai plus en tête, donc c'est quatre flux. Le premier, l'instinct, c'est un flux qui est déterministe, c'est-à-dire qu'il n'a pas aucun libre arbitre. On réagit comme des animaux, c'est notre instinct qui nous pousse à faire des choses, on n'a pas le choix. Et les trois autres sont, il y a un potentiel de libre arbitre dans ces flux-là, mais passé un certain seuil, ils peuvent complètement court-circuiter le libre arbitre de l'âme individuelle, notamment, par exemple, le flux qui vient des capteurs percepteurs. Si vous êtes dans une salle de cinéma et qu'il y a le feu, et que tout le monde, et qu'il y a la panique, le flux qui va venir de ces capteurs percepteurs va dépasser un certain seuil, il va saturer les capacités de libre arbitre de l'âme individuelle, et là, on n'est plus libre, d'après les textes humides, on n'est plus libre, on réagit donc de façon instinctive, comme des animaux, et c'est sauf qui peut. Donc, le système est très complexe, il est complètement intégré, et bon, on y reviendra peut-être dans une autre émission. Et ce qui est intéressant de voir et qui est très complexe, c'est que l'âme individuelle existe en dehors du temps. Dans cet univers où la vitesse de la lumière est zéro, le temps est figé. Donc, cette âme individuelle, elle voit tout l'espace temporel. Donc, elle connaît toute notre vie. Et ça a l'air paradoxal parce que, du coup, on a l'impression que notre vie, c'est quelque chose de déterministe. Les humides disent, cette âme individuelle, elle décide en une fois, alors ils disent en une fois, c'est une formule approchée qui n'est pas tout à fait exacte, mais on ne voit pas comment vous expliquer ça autrement, elle décide en une fois toutes les décisions que vous allez avoir dans votre vie. Alors du coup, on se dit, ah ben alors c'est déterministe, on n'a aucun libre arbitre. Ils disent, si, vous avez quand même du libre arbitre. Alors, ça fait longtemps que j'étudie le truc, qu'on en discute entre nous et on n'a pas encore tout bien compris de la façon dont fonctionne tout ça, parce qu'effectivement, ça a l'air contradictoire. Il y a des lettres qui expliquent ça par le détail, qui sont très complexes, avec des petits dessins. Et notamment, ils expliquent que l'âme individuelle, c'est comme si on va représenter, et c'est le dessin qu'on a ici, que je vais remettre. Où est-ce qu'on l'a ? Bon, je ne l'ai plus. Donc, ce qu'ils appellent l'homme boudin. OMI, je ne sais plus, bois, bouge, bon, j'ai plus le terme. C'est-à-dire que, voilà, on l'a là. C'est ceci. Je vais prendre une image plus grosse. Vous voyez, cet homme, c'est la vision de l'homme dans le temps. Donc, pour l'âme individuelle, elle voit tout le chemin et toutes les décisions de l'homme dans le temps. Elle les place en une seule fois, avec des gros guillemets. Mais c'est comme si cette âme, vous imaginez un jardin et un tuyau, un grand tuyau, très souple, l'âme jette ce tuyau dans le jardin qui va contourner des obstacles, etc. Ça, c'est le parcours de l'homme, toutes les décisions qu'il va prendre. Mais par contre, nous, notre corps physique, il va suivre ces tuyaux au cours du temps et ne découvrira les décisions qu'il a prises qu'au fil du temps. Je crois qu'il y a peut-être un dessin dans le cahier central, oui. C'est ça. Effectivement. Donc, je peux le retrouver. Donc, dans le cahier central. Pas, je vais peut-être le mettre. C'est à la page 163. 160, enfin, il n'y a pas des pages du coup. 163. Oui. 162, exactement. Et puisque c'est sur 162, tiens, c'est bizarre. On ne voit pas très bien. Oui, en fait, tu n'as pas cette page, ça va jusqu'à 161. Et comme c'est central, donc là, avec les couleurs. Okay. Ah oui, je ne l'ai pas dans cette version-là, effectivement. Bon. On va changer de caméra, les amis. Hop, on va passer sur une autre. Et vous l'aurez en plus grand. Voilà, en haut. Alors, l'image du haut, c'est l'OMI, le bois,
Loé-Boua-Moémi, donc l'homme Bouddha, c'est-à-dire c'est sa projection dans le temps. Et en bas, on voit que qu'une fois que l'âme individuelle a décidé des actions et des choix, l'homme qui est sur l'image du milieu va parcourir durant le temps ses choix, mais il les découvrira qu'au fur et à mesure. Voilà, bon, alors tout ça c'est très complexe. J'avoue que j'ai pas tout compris. Je travaille là-dessus, comme beaucoup d'autres gens, et je ne suis pas arrivé à. Expliquer ça oralement comme ça, c'était assez ardu, mais j'ai trouvé au contraire super bien expliqué quand tu es posé, tranquille et que tu. Oui, parce que c'est normal, moi je ne suis pas un grand orateur, je fais ce que je peux, je n'ai pas une mémoire exhaustive de tous les textes. Des fois, je peux plus me souvenir de certaines choses, mais effectivement, dans ce livre, c'est un gros travail, donc j'ai pris le temps. Il est beaucoup mieux structuré, tout est expliqué dans le détail, ça sera beaucoup plus clair. Donc, je vais peut-être pas m'étendre là-dessus parce que je risquerais de créer plus de confusion que d'éclairer. Ok, donc je vous invite à retrouver ce livre. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui se demandait où se procurer le livre. Alors, c'est simple. Vous pouvez aller directement sur les éditions Atlante et retrouver cet ouvrage. Ou alors, là, sous la vidéo, au-dessus des commentaires, donc sous la vidéo et au-dessus des commentaires, si vous avez enlevé votre bloc pub sur notre site, vous allez voir apparaître donc le petit lien Amazon, par exemple, pour vous procurer le livre de Stone Garden Teapot et à ce moment-là, pouvoir vous poser sur ces explications du libre-arbitre aussi qui sont extrêmement détaillés et bien expliqués. En plus, il y a les schémas, donc c'est vrai que c'est facile. Là, en plus, on a les couleurs, donc ça nous permet d'avoir l'explication, notamment avec les courriers humides, mais en plus, avec ton développement, Stone, qui permet d'alléger un petit peu hein, le contenu des lettres humides. Je te remercie beaucoup pour cet effort, parce que c'est très appréciable, notamment aussi avec toutes tes petites blagues par-ci, par-là. Hein, donc la lettre D77, ce n'est pas une départementale. J'ai bien rigolé, surtout que juste au-dessus, c'était quand même assez ardu. Donc ça fait vraiment du bien de détendre l'atmosphère avec ces petites réflexions en plein milieu des textes. Et voilà, donc c'est vraiment à chaque fois, on essaie de faire le maximum pour vous donner plein d'informations dans les émissions et que vous puissiez avoir donc ces informations-là. Mais quand il y a un livre sur lequel se poser, c'est vraiment mieux, surtout quand c'est un petit peu complexe comme ça. C'est bien de pouvoir avoir le temps de lire et de relire. Donc ceux qui peuvent se le permettre, vraiment, n'hésitez pas. Et je voulais te dire, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est tous les deux. Si tu veux prendre une petite pause de 2 minutes et revenir nous retrouver tout à l'heure. On va faire ça, oui, je vais aller me faire un petit café. Allez, et ben à tout de suite, tu prends 2 minutes parce que moi j'ai des infos à passer. Parfait. Donc je vais caler la caméra sur moi, les amis. Alors, ça vous fait aussi une petite pause parce que c'est vrai que ce dossier est assez complexe. Juste un petit point, vite fait. C'est Riyad qui nous a envoyé ça, je te remercie énormément. Donc c'est un galet qu'il a gravé avec Nuria TV dessus. Et là, il y a même le symbole humain. Donc vraiment, merci pour le clin d'œil avec, bien sûr, l'œil d'Horus. Donc merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Et sinon, je vous avais parlé hier, on avait abordé cette histoire, ce courrier. Donc là, je suis sur les courriers unites. Hein, mais la partie cool, sympa, super détente. Il ne faut pas trop réfléchir, c'est justement l'histoire où ils racontent qu'ils ont vu ce petit garçon, leur premier contact avec un être humain, donc ce petit berger d'une quinzaine d'années. Et ils l'ont vu la première fois assez rapidement, et là c'est la deuxième fois. Donc si vous voulez bien, je vous lis ce petit passage vite fait. Donc, en les voyant, donc Luigi, donc le petit humain adolescent, salua avec les mains sans que nos frères comprennent exactement s'il s'agissait d'un geste hostile, de salut ou d'alarme. Ils optèrent donc pour rester arrêtés en attendant la réaction de l'adolescent. Celui-ci s'approcha, semble-t-il, sans peur, et il dut demander quelque chose. Cette fois-ci, il semblait surpris en voyant les vêtements plus étranges que le jour antérieur. Bien qu'il se fût agi cette fois-ci d'imitation de vêtements terrestres, il est aussi curieux de constater que l'adolescent les reconnut malgré la différence de tenue. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la première fois, ils ne devaient pas le rencontrer. Et donc, ils étaient habillés avec leur combinaison de protection. Et voilà, donc apparemment, l'adolescent n'a pas trop tilté. Sauf que la deuxième fois, ils se sont imprimés. Hein, ils ont des sortes d'imprimantes 3D avec lesquelles ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc, par exemple, l'argent, voilà.
voilà, ils peuvent en imprimer plein, les objets, tout ça. Donc, quand ils font des fouilles archéologiques, par exemple, sur notre planète, ils nous laissent certains objets. D'autres, ils les récupèrent parce qu'on n'est pas assez intelligent pour comprendre l'importance de ces artefacts-là. Donc, j'espère qu'ils nous les ramèneront quand même. Mais sinon, généralement, ils les dupliquent à l'identique. Et là, ils ont dupliqué des vêtements. Sauf qu'il y a certains détails dans les vêtements où ils n'ont pas forcément fait attention, d'autant plus quand on sait qu'ils ne savaient pas reconnaître les hommes et les femmes à ce moment-là. Et donc, c'est dans ce passage, je vais juste vous donner donc, le numéro de la lettre. Donc, c'est la D57-5. Elle est juste magnifique dans son explication et cette rencontre avec ce premier être humain en face à face. Voilà, je te vois revenir, Stone. Parfait. Oui. J'étais en train de penser que on pourrait peut-être passer sur la nouvelle forme de communication humite. Allez, plaisir. Et après, normalement, il faudra qu'on parle d'économie, parce que si on veut bien comprendre ce qui se passe et pourquoi l'avertissement que nous lance Zumit est en train de se réaliser sous nos yeux, il faut comprendre certains paramètres. Alors, il faut que je retrouve mes données, que je me recale, excusez-moi. Il y a Taylor qui nous dit « C'est de la muscu cérébrale intense, pensez à boire de l'eau et à respirer les nuréens. Je veux perdre personne en route. » C'est gentil, Taylor, merci. Donc, il faut savoir que jusqu'à présent, les humides communiquaient avec nous par lettre, envoyées par la poste. Les dernières officielles avaient été reçues en France, étaient écrites en français. Voilà, et donc je l'ai dit la dernière fois, je vais le répéter, j'ai fait partie d'un groupe secret qui a reçu des lettres à partir de 2012 jusqu'en 2015, et en 2015 les humites nous ont rendu notre liberté, donc nous ont permis de partager notre expérience, et donc nous avons diffusé les lettres que nous avons reçues. Et il faut savoir qu'en 2012, il y a une personne qui contacte par Internet le gestionnaire de la liste Humoscience, le gestionnaire du site Humoscience, et qui lui dit, voilà, il y a un personnage qui s'appelle Oaxibo6. Alors, Oaxibo, c'est un nom humite, qui est assez particulier, j'expliquerai peut-être peu pourquoi, qui communique avec nous, qui communique sur Internet, sur Twitter. Et alors, ce qu'il dit, c'est quand même assez intéressant, Et apparemment, ce serait un humite. Bon, alors le gestionnaire du site nous prévient parce qu'il y a un groupe de réception d'une dizaine de personnes qui était chargé d'étudier les nouveaux courriers arrivants, puisqu'on a eu des faux qui sont arrivés par moment, ou des courriers qui étaient douteux. Donc des gens qui connaissent bien le dossier et qui étaient chargés de déterminer si les courriers qui arrivaient étaient de sources humites ou pas, ou de sources hypothétiques, etc., pour pouvoir ranger ça dans le site, le catalogue Humoscience. Donc, le groupe de réception va sur Internet, sur Twitter, et on commence à communiquer avec ce Oaxibo 6. Et alors moi, au début, je suis tout à fait sceptique, quoi. C'est-à-dire que résistance au changement, je me dis, non, non, n'importe quoi, les humites, ils communiquent par lettre, bah, Internet, Twitter, c'est n'importe quoi. Twitter, ça fait beaucoup aujourd'hui, comme à l'époque, les courriers sous enveloppe. On aurait moins de mal à rendre crédible donc cette histoire par ce biais-là aujourd'hui que Twitter aujourd'hui. Quand on se dit qu'ils communiquent via Twitter, ça fait c'est bizarre. Donc on y va en disant, bon, allez voir ce que c'est que cette histoire, mais bon, c'est un peu ridicule. Et on commence à communiquer avec lui. Et alors, il s'affranchit des 144 caractères. À l'époque, c'était encore 144 caractères parce qu'il fait des photos d'écran de texte, des fois. Donc, il y a de la communication, quoi. Et quand même, c'est assez étonnant parce que le fameux Oaxibo 6, il connaît le dossier, quoi. Et il le connaît mieux que moi, et moi je le connais pas mal, il connaît même mieux, c'est ce que je dis dans le livre, que ceux qui le connaissent mieux que moi. Et bon, il y en a, mais pas beaucoup. Donc c'est quand même assez étonnant. On essaie de le coincer plusieurs fois, on n'y arrive pas. Il donne des réponses à des questions qu'on se posait depuis longtemps, qui sont des questions cohérentes sur des trucs hyper complexes, genre de ce qu'on a vu sur le libre arbitre et le déterminisme, etc.
Mais là, vraiment, on se pose des questions. Et alors, il s'avère que le gestionnaire du site, à l'époque, il s'appelle Alban Nanty, donc il ne cache pas son nom, qui faisait partie du groupe secret, notamment, qui a reçu des lettres. Il a reçu dans les années 2000 une des fameuses lettres françaises NR, et c'est la NR20. Et c'est énervant, vous allez voir. C'est que entre la lettre qu'il a reçue et la lettre qui a été diffusée sur Internet, il a changé un mot. Un mot qui ne change pas du tout la signification de la lettre, mais il a changé un mot. Et pourquoi il a fait ça? Ben, c'était un plan anti-Peña. Parce qu'il ne faut pas oublier que donc, le fameux Louis Jordan Peña, qui en 93 a dit: Ah, ben, c'est moi qui ai tout écrit, les gars. Voilà, je vous ai bien eu. Il n'a jamais donné la preuve qu'il avait tout écrit. Tout le monde l'a cru. Voilà, on a répété ça. Et donc, il s'est dit, si quelqu'un vient me voir en disant, Ah, c'est moi qui ai tout écrit, eh bien, je lui demanderai quel est le mot qui a changé. Et si c'est lui qui l'a écrit, il sera obligé de me le donner. Et d'ailleurs, bon, je le raconte dans le livre, il me semble, bien lui en a pris parce que un de ses collègues de bureau, quelques temps après qu'il ait reçu la lettre, vient le voir en disant, Hé, la lettre que tu as reçue, là, des fameux extraterrestres, c'est moi qui te l'ai envoyée. Ah, je t'ai bien eu. Alors, il lui dit, Ah oui, bon, d'accord, mais alors, donne-moi la clé anti-fausse revendication. Quand tu me parles, ben, j'ai changé un mot entre ce qui a été diffusé et la lettre, et donc toi, si tu as écrit la lettre, tu dois le savoir. Et alors l'autre lui dit, Ah bon, d'accord, c'est toi qui m'as bien eu. Donc, sachant qu'il avait cette clé anti-fausse revendication, il pose la question à Oxybosis en disant, Alors, quelle est la clé anti-fausse revendication? Vous pouvez retrouver ça dans les tweets. Et donc, Oxybosis va répondre, va donner cette clé, il va le faire de façon très discrète, mais assez certaine. Moi, j'ai été témoin de 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 cet cette échange. validation, ce qui veut dire que celui qui écrit sur Twitter, c'est le même qui a envoyé la NR20. Les NR20 sont liés par d'autres liens indirects avec les anciennes lettres, notamment avec les sceaux de validation, parce que les Humites avaient l'habitude, dans les anciennes lettres, de poser un tampon dactyle, c'est-à-dire qu'ils devaient avoir une espèce d'objets en plastique qu'ils mettaient sur leurs doigts avec le signe UMO. Ils posaient ça sur les feuilles et dessous, ils mettaient des signes qui sont secrets pour valider leur courrier. Et nous, dans les lettres secrètes qu'on a reçues à partir de 2012, elles ont été validées par un sceau secret qui avait été envoyé à Raphaël Fayolz dans les années 80, qui n'avait jamais été diffusé. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à authentifier la source. C'était le même sceau qui avait été envoyé dans les années 80, qui était remis dans les lettres. Et donc, comme nos lettres aussi authentifiaient les comptes Twitter, ça et la clé anti-fausse revendication et d'autres petits paramètres, je ne vais pas rentrer dans les détails, nous ont convaincus que ce Oxybosis était bien de source humite. Donc après, ce personnage, il précise que on commence à lui poser des questions, et alors là, ça devient lourd parce que les réponses sont très, très intelligentes, quoi. Elles sont très précises, elles sont en cohérence avec tout le corpus. Ce qui n'est pas le cas de d'autres comptes Twitter qui ont été ouverts par des individus qui trouvent là peut-être une justification à leur existence, je ne sais pas, qui disent exactement le contraire de ce que disent le compte Oaxibo6. Donc il y a pas mal de comptes, enfin, je suppose que vous le savez, de comptes qui sont ouverts de gens prétendant et des extraterrestres, mais le fait est que les spécialistes du dossier UMO, par ces preuves directes et indirectes, nous n'avons validé que deux comptes qui sont Oyaga Ayu Issa, il faudrait que je l'écrive. Oui, s'il te plaît, ou que tu les peignes. Et Alors, allumez vos téléphones, il y a des gens à suivre là. oh, Limite, on va vous follow là. C'est parti. c'est dans le livre, hein. Ça s'écrit Oy Oya Ga, Gaa. Ayu, ça s'écrit Ayoo, parce que c'est la forme phonétique anglaise, les deux O se prononcent en OU. Yissaa, que je ne dise pas de bêtises, ça s'écrit, ça y est, j'ai un trou, Yi2SAA. Il faut que je vais vérifier ça tout de suite parce que. Oyaga, c'est ça? Oui, Oyaga, donc. Planète du carré, c'est notre planète, c'est la Terre. Et Ayuhisa, c'est réseau social. Donc c'est le réseau social de la planète Terre. Ayugisa.
Oui, je vais vous donner l'orthographe exacte parce que. Ouais, en fait, s'il te plaît, t'as beau l'avoir épelé, j'ai Oui. pas. J'ai dû choper un mot sur deux, une Bon, lettre sur tout ça, c'est dans le livre, hein, bien sûr. Alors, Il y a un c'est. compte Twitter qui va s'affoler ce soir. Voilà, Voilà. donc c'est bien ça. Hein. Ça s'écrit OYAGAAY2O, Ayou, et YI2SAA. OYAGAAYUYISA, prononcé à l'anglaise. Okay. Et le deuxième compte qui a été validé, il y en a eu plus à un moment donné, mais ils ont été fermés. Il est plus actif. Si, il est toujours actif, celui-là, bien sûr. Au Yagra, non? Non, non, attention, parce qu'il y a un autre Oyaga Ayuhisa avec un Z. C'est pour ça qu'il faut faire attention à Ah, donc c'est l'endroit. XAA. Oui, qui est un faux compte humite. Qui dit Le n'importe celui qui quoi. finit par XAA est un faux compte. Oui. Et donc il faudrait qu'il finisse par attends, Oyaga Ayuhisa, c'est un Je compte vais vous fermé. montrer. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé, ouais. Alors, je vais vous le montrer. Ça va être plus simple, du coup. Les tweets de ce compte sont protégés et il a 120 abonnés. Voilà. Donc, ce sont des coups de projet. Il a 120 abonnés. Et l'autre compte aussi. Je vais vous faire passer l'info sur l'autre caméra. Comme ça, tu pourras me dire aussi si c'est la bonne page. Oui. Je vais vous les montrer. Puisque vous n'aurez. Peu de gens y auront accès puisque Ouais. le compte est bloqué à 120 abonnés. Attends, je vais voir si je peux caler la caméra de mon côté, que ça reste un peu. Hop. Comme ça, vous avez l'orthographe. Voilà, je vais vous les montrer comme ça va Avec être plus les correct. jolies photos, est-ce que ça serait la sienne ou pas? Pardon? C'est ça. Alors, la photo, on ne sait pas trop. On a pensé à un moment donné que c'était vraiment une vraie photo du mythe. Puis après. On s'est dit, et je pense que c'est plutôt un porte-robot qui a été fait par un terrien de ce qui pensait être un numite, selon je ne sais pas quelle description. Voilà, c'est tout à fait ça. Je peux envoyer moi l'image peut-être. Vas-y, je t'en prie. Je passe la caméra de ton côté. Non, c'est pas ça. Tiens, pourquoi je l'ai pas? Ah oui, c'est que je suis sur. Je suis sur. Il faut pas que je me mette sur le même browser parce que sinon j'ai ton image. Je sais pas si tu vois le C'est pas problème. grave, hein. Il n'y a pas de Bon, souci. est-ce que vous arrivez à voir? C'est ça. Voilà, si vous, ça se voit. Ok. Voilà, je vais grossir. Alors Ah. ça, c'est l'autre compte. L'autre compte, c'est Umo, donc toujours prononciation phonétique anglaise, Toa, qui veut dire Umo, c'est leur planète, qu'on écrit Oumo en français, et Toa, c'est histoire, histoire de Umo. Donc Umo Toa parle plutôt de leur historique et des interactions entre les humanités. Alors vous voyez qu'il y a des communications des fois en anglais, des fois en espagnol, des fois en français. Et OYAGAAYUHISA, donc réseau social terrestre. Le voici. Donc, faites bien attention aux orthographes. Il y a vraiment une sélection. Là, en fait, on a fait tous des demandes d'abonnement là ce soir, mais c'est eux qui sélectionnent finalement, Celle qui qui font la sélectionne, suite devant les messages. on leur a posé la question. Elle se fait comment la sélection à l'entrée? Genre, si on a des baskets, ça passe ou Je crois que c'est ça. Je crois que c'est la tenue vestimentaire. Si vous êtes à la mode ou si vous n'êtes pas à la mode, c'est tout. Il faut avoir une lettre de recommandation, ça fonctionne comment? Alors, il explique, si je retrouve le tweet en question. Voilà. Sur quels critères vous basez-vous pour sélectionner vos abonnés et pour quelles raisons un multiple défini 120? Ils disent. On se base sur la capacité d'interaction, la diversité des croyances, l'étude comparée d'évolution par typologie, et ils équilibrent les cohortes 6, 8, 12, 24 individus. Donc c'est toujours dans le cadre de leurs études, ils essaient d'avoir un panel, je pense qu'ils essaient d'avoir un panel représentatif pour continuer à voir déjà. Qu'est-ce que ça leur ressemble? Ça leur ressemble, pardon. C'est pas drôle, les gars. Hein, c'est vraiment pas Pas drôle. sympa. C'est compréhensible, c'est scientifique, encore une fois, mais. Essaie de voir comment on réagit aux informations qu'ils nous donnent. Alors,
un des grands principes, c'est de savoir si on gobe tout comme ça. Et moi, ça m'est arrivé de gober tout comme ça, de ne pas vérifier. Et je me rends compte que c'est une erreur. Il faut vérifier. Parce que de temps en temps, ils le disent tout au long des lettres. D'abord, ne me croyez pas sur parole. Et surtout, voilà, vérifiez, quoi. Donc, ceux qui ne vérifient pas, eh bien, ils sont mal notés. Ils ont de mauvaises notes. Ils n'ont pas la moyenne. Et voilà, capacité d'interaction. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alexis qui dit quand les humites se font googliser par les Nuréens. Allez les humites, au moins un Nuréen. Voilà, sur les 120, un petit Nuréen, il prend pas de place. Voilà, par exemple Sylvie ou Elisabeth ou Fab. Voilà, c'est un d'entre eux et qui nous rapportera les informations. Et alors, ces informations sont rediffusées sur le site Homo Science dans les documents W. Quand vous allez sur Homo Science, vous allez en bas. Je vais vous montrer ça, si j'y arrive. Hop. Voilà. Donc vous êtes sur Homo Science, vous cliquez par exemple sur sommaire ordonné détaillé, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est là. Hein, c'est dans les documents. Et vous arrivez sur cette chose-là où sont répertoriées toutes les lettres, les D, les Darnold, etc. Ensuite, je l'ai dit hier, mais je répète, les NR, c'est nos références, soit des lettres françaises, soit des lettres qui sont arrivées plus tard que les lettres d'Arnaud. Ensuite, les GR, c'est les lettres du groupe, premier groupe secret à avoir diffusé ces lettres après l'autorisation humide. Et ensuite, vous avez les W pour web, W1, W2, etc. Vous avez les premières communications qui sont les tweets. Je vais grossir, peut-être sera plus clair. Qui sont les tweets du fameux Oaxibo. Ah, super. Ensuite, vous avez Oyaga Ayuyisa. La suite, il y a beaucoup de communications sur Oyaga Ayuyisa et Umotoa, histoire d'Umo. Et après, il y avait d'autres sites au départ. Olga Wam, c'est cosmophysique. Wam, c'est le cosmos. Et Olga, c'est la physique. Olga Wam, cosmophysique. Voilà. Ça, c'est génial. Encore un grand merci à tous ceux qui s'occupent de ce site humo-science.com parce que vraiment, là, on voit quand une porte est fermée, on passe par la fenêtre. Donc, merci à vous. Si on n'est pas accepté sur leur compte Twitter, bon, voilà, il y aura une Mais partie de notre ego qui aura pris un coup, mais c'est pas grave. bon, On faut aura quand pas même du tout une se vexer parce que, comment dirais-je, comme le compte est bloqué à 120, une fois que leur panel est représentatif, il faut qu'il y en ait un qui quitte pour qu'ils en mettent un autre. Bah Donc, oui, c'est j'ai bien compris. lié à vos capacités ou rien de tout cela. Parce que je suppose que dans le panel, il peut y avoir des gens peut-être plus agressifs ou. Bah ils en ont besoin, ça fait partie du panel finalement. Même de ces personnes-là, un panel de 120 personnes qui représente finalement pour eux la civilisation humaine, quoi, en tout cas la Voilà, pensée je pense humaine. que. Et ça leur sert pour tester, notamment quand ils nous ont envoyé cet avertissement. Je pense qu'on en parlera à la prochaine émission parce que il faut prendre le temps pour parler de ça. Et pour parler de ça, il faudra, donc, comme je le disais, parler d'économie, au moins des bases très très sommaires d'économie. Donc, quand ils ont envoyé cet avertissement, effectivement, ils ont testé les réactions pour voir comment on le prenait, si ça déclenchait une panique, si voilà ce qui se passait. J'ai vu dans les commentaires hier de quelqu'un qui a lu le livre, comment dirais-je, d'ailleurs qui traite le livre de parfaite débilité, enfin je ne sais plus quoi, bon, que des compliments, qui a une réaction assez agressive parce que effectivement, ça peut être le cas. Quand on vous annonce une mauvaise nouvelle, vous pouvez avoir une réaction de déni assez agressive parce que cette nouvelle ne vous plaît pas, vous pouvez avoir envie d'oublier, etc. Donc je pense qu'à chaque fois qu'ils envoient des informations, ils regardent comment on réagit. Donc, Ouais, et juste pour information, vous ne retrouverez pas normalement le commentaire, ce commentaire-là, parce que je l'ai supprimé. Voilà, on dit les choses avec respect. Et sinon, on se tait et on attend de refroidir un petit peu les frictions atomiques de son corps pour ensuite écrire comme il faut, avec des mots agréables, même si on n'est pas d'accord. On peut aller très, très, très loin, mais en étant respectueux. C'est le minimum, c'est la base sur Nuria TV. Donc, absolument, oui. Ne réagissez pas, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure.
le fait que avant d'exprimer une opinion, il faut essayer quand même d'étudier un peu le dossier, de réfléchir et de ne pas réagir comme ça, comment dirais-je, à brûle pour point, parce que souvent on dit des bêtises, et puis surtout d'essayer de rester courtois, parce que moi je vous donne des informations, je peux me tromper sur certaines analyses, encore une fois, je n'ai pas une mémoire exhaustive de tout ce qui a été dit dans le dossier Humo. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais au moins essayez, avant de ne pas être d'accord avec moi, d'analyser ce dossier et de voir ce qu'il en retourne, parce que c'est trop facile de critiquer sans connaître le fond du dossier. Quoi. Et si vous le faites, au moins essayez de rester courtois, parce qu'il n'y a pas de raison. Quoi, hein. Dis-moi, il nous reste 25 minutes à peu près pour finir cette émission-là. Avant d'aborder la troisième émission la semaine prochaine, où on pourra commencer justement par parler d'économie et ensuite ça nous permettra de comprendre cet avertissement aussi très bien. Donc si on pouvait voilà, garder ça pour l'autre émission, est-ce qu'on peut partir sur 25 minutes de questions ? Bien sûr. Après, tu prends le temps pour chacune des questions. Mais là, c'est vraiment, je saute sur l'occasion qu'on n'ait pas encore mis un pied dans l'économie. Ça serait génial. Alors, il y a Coriane qui te demande, est-ce que Stone Garden Teapot fait partie du groupe Twitter ? Oui. Oui, Stone Garden Teapot fait partie du groupe Twitter. À un moment donné, je ne sais plus pourquoi, ils avaient dit quelque chose qui me déplaisait et alors j'avais cliqué sur des abonnements. Je m'étais désabonné en disant, ben voilà. C'était pour marquer mon désaccord. C'était pas que je voulais quitter la relation parce qu'elle est quand même importante, c'est quelque chose qui compte, mais je voulais montrer mon désaccord et je m'étais désabonné, puis après j'avais réappuyé sur abonnement et bon, et au bout de quelques jours ils m'avaient réabonné, mais bon voilà, je pense qu'ils m'aiment bien quand même et ils disent dans certaines lettres qu'ils apprécient mon humour, parce que c'est vrai que des fois je les ai appelés bipèdes ou doigts sensibles ou nos amis sous-coupistes ou etc. Bon, et, alors j'essaie de dédramatiser parce que c'est vrai que si on est vraiment en contact avec les extraterrestres, bon, mettons des si, bien sûr, c'est quand même assez lourd, quoi. Et c'est vrai qu'on a, bon, comme c'est lourd, quand quelque chose est lourd, j'ai tendance à vouloir plaisanter pour dédramatiser, quoi. Mais tu as raison, ça fait du bien. D'ailleurs, bipède aux doigts sensibles, justement, tu n'as pas expliqué pourquoi ils n'écrivaient pas eux-mêmes leur courrier, ils avaient besoin d'humains pour écrire leur courrier. Est-ce que tu peux en parler ? Oui je peux en parler. Donc ça c'est pas dans le livre mais c'est dans les lettres, dans les premières lettres d'ailleurs, ils expliquent qu'ils ont des capteurs photosensibles au bout des doigts et qu'ils ne peuvent pas se servir du bout. Alors encore une fois, il y a des gens qui vont dire « Ah oh, c'est ridicule, les capteurs photosensibles au bout des doigts, n'importe quoi ». C'est ce qui est dans les textes et vous pourrez réfléchir au fait de savoir si effectivement les cellules peuvent capter la lumière. Et vous verrez que oui, parce que les cellules déjà captent la lumière, soit sous forme de chaleur, par exemple, vous voyez, quand la lumière du soleil, vous la captez sous forme de chaleur. Bon, eux, ils disent que ces capteurs, s'ils appuient fortement le bout de leur doigt, la pulpe de leur doigt, ça les détériore et que c'est embêtant pour eux. Donc, ils perdent de la sensibilité. Ils perdent de la sensibilité. Et ils expliquent que ils sont capables quasiment de voir dans le noir avec le bout de leurs doigts, qui sont sensibles aux grandes longueurs d'onde, donc à l'infrarouge. On leur a posé des questions sur Twitter, tout ça c'est dans les documents W, ils nous ont expliqué un petit peu d'où venait cette particularité biologique. Enfin, ils n'en sont pas sûrs, mais ils donnent une explication qui est assez marrante. Et donc les machines à écrire dans les années 60, moi qui ai fait de la dactylographie, je tapais déjà sur des machines à écrire, les touches étaient très très dures et donc ça leur faisait mal aux doigts, donc ils ont pris des dactylos et ensuite ils se sont servis aussi de ces dactylos, je suppose, puisque c'est ce qu'ils disent maintenant dans les nouvelles communications, comme ils appellent ça, interface cognitive. Bon là ça déborde un peu du cadre des doigts, les interfaces cognitives, ben, si vous allez chez une peuplade que vous ne connaissez absolument pas et que vous avez peur de faire des impairs, de faire des gestes qui ne sont pas appropriés, qui seraient pris pour une insulte ou de dire des mots ou qui ne seraient pas appropriés, ben, vous prenez l'interprète et l'interprète va dire tout autour, surtout ne fais pas ça parce que ça va être mal vu, ne dis pas ça ou dis-le plutôt comme ça. Bon, ben. Donc eux, ils se sont servis de l'ordre dactylographe dans les premiers temps comme interface cognitive pour éviter de commettre des impairs, même s'ils en ont commis quand même. Et là, ils ont pris le soin
d'en prendre. Et d'ailleurs, le fameux Waxibo 6, donc excuse-moi de la digression, mais c'est une information qui est intéressante. Il nous a indiqué que pourquoi ils appelaient ça Waxibo 6, parce que souvent le chiffre correspond à la filiation, c'est-à-dire souvent c'est par exemple Waxibo 6, fils 2 ou fille 2, Waxibo 5. Bon, il y a toute une procédure comme ça pour leur nom. Et là, il ne dit pas du tout. Si, c'est parce qu'il y a c'est un groupe. Donc, ce n'est pas une personne, c'est un groupe qui est formé de deux humains, deux humites et quatre terriens. Et ils expliquent après que ces terriens, ce sont leur interface cognitive. Il y en a un qui est de langue française, l'autre qui est de langue espagnole, le troisième de langue anglaise, le quatrième, je ne sais pas. Et ils disent que seulement deux de ces quatre aides terriennes se sont rencontrés physiquement. Les autres ne se connaissent pas. Voilà, c'est une information intéressante. Merci, merci beaucoup. N'hésite pas, n'hésite pas. Alors, Fabidio qui nous dit, Stone peut-il dire deux mots sur leur relation avec les autres civilisations extraterrestres ? Je peux dire deux mots, je pourrais même en parler deux heures ou deux jours, si vous voulez. Eh bien, allez, on s'installe. Tout ça sera l'objet de mon prochain livre. Qui parle d'exopolitique, on va dire, parce qu'il s'avère qu'effectivement, et ça on le sait, il y a des travaux qui ont été faits sur Humoscience, que vous pouvez retrouver, bon je ne vais pas vous le montrer, mais si vous naviguez un petit peu dans le site Humoscience, vous avez des articles qui s'appellent synthétisés, là-dedans vous avez tous les travaux qui ont été faits, et un des travaux c'était de compiler dans les 1400 pages de lettres, un petit peu moins en ce qui concerne les lettres, et 1400 avec les tweets, etc., toutes les ethnies qui sont nommées dans les textes humites. Et il y en a un paquet. Donc, eux-mêmes disent, j'en ai pas parlé, si je l'ai montré vite fait, je vais peut-être retrouver le document, et du coup ça pourrait vous intéresser, qu'ils connaissent 74... Voilà, j'ai ces documents, je vais vous les montrer. Je vais grossir ça. Oui, c'était le tableau schématique que tu nous as montré hier. J'ai pensé beaucoup à ce tableau avec où on se situe, nous, dans l'évolution, depuis fameux Big Bang. C'est un tableau. Je vais vous commencer par celui-ci. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? D'ailleurs, j'aurais dû commencer par là, c'est pas grave. On le voit beaucoup mieux qu'hier, oui. Merci. Ouais, parce que c'est le document seul. Voici les 74 ethnies connues par les humains, les humites. Ici, en bas en abscisse, vous avez le nombre de millions d'années d'évolution de ces ethnies. Donc, vous voyez qu'il y en a ici 9 qui sont entre 0 et 1 million d'années d'évolution. Voilà, c'est très facile à lire. Il y en a 13 qui sont entre 1 million et 2 millions d'évolution, etc. etc. Après, non, on est quatrième. Pardon. Et nous, on voit pas la souris. Pardon. On voit pas la souris, c'est marrant, tiens. Parce que c'est un tout petit... D'accord, ah, ok. Une toute petite croix. On est sur la zone 4 millions. Si je fais ça, non, vous ne voyez pas non plus. Bon, il faudrait que j'ai un souris. Donc, non, mais c'est pas grave. Vous voyez, on a petit, ça a 0,4, 4 millions d'années d'évolution. Il y a 5 ethnies. Nous sommes partis de ces ethnies-là. Les humides sont en abscisse à 0,9. Ils ont 9 millions d'années d'évolution. Donc, ils ont quand même 5 millions d'années d'évolution biologique de plus que nous, ce qui n'est pas rien, même si les évolutions ne se font pas forcément à la même vitesse, selon les conditions, le contexte géothermique, etc., et sociologique de la planète. Et tout au bout, vous avez une ethnie qui a 33 millions d'années d'évolution, et c'est une ethnie qui est en voie d'extinction, qui a atteint ce que Théard de Chardin appelait le point oméga, c'est-à-dire le point de parfait achèvement de l'humanité. Et je veux revenir aux petites couleurs, les couleurs bleu cyan. Ce sont les ethnies qui ont vu apparaître ce qu'ils appellent les Oemi Woa, c'est-à-dire les hommes-dieux. Et ces Oemi Woa, ils naissent pas tout à fait pareil que les hommes standards. Ils sont directement issus, créés par Woa, donc le pôle informationnel
universel que nous on va appeler Dieu, disons, pour résumer ça. Et ce sont des mutants. Alors, ça va faire encore faire en sourire quelques-uns, je sens ça, mais soyons clairs, ce que nous disent les humides, c'est comme si un Homo sapiens était apparu au milieu des Australopithèques. C'est-à-dire que l'Homo sapiens a subi des mutations biologiques qui l'ont amené à accroître sa capacité corticale, à développer la bipédie de façon plus fonctionnelle, etc., etc. Et donc, un Homo sapiens apparaissant au milieu des Australopithèques, il dépareillerait un petit peu, et peut-être que même il finirait par le tuer parce que il serait trop différent, quoi. Alors, ces Zoemiwa, voilà, ils apparaissent. Les humides nous disent au hasard pendant les 10 premiers, je ne me souviens plus exactement si c'est 10 ou 13 premiers millions d'années. 13 premiers millions d'années, il y a une probabilité, enfin, qui s'approche de 1 quand on dépasse 13 millions d'années. Voilà. Entre 13 millions d'années d'évolution, il y a une probabilité qu'apparaisse au hasard un de ces mutants qui est là pour essayer de donner des informations pour guider l'évolution vers la bonne voie, on va dire. C'est un guide. Nous l'avons eu très tôt, nous disent les humides, dans notre humanité. Et souvent, ces Zoemiwa, qui peuvent être des femmes dans certaines ethnies planaires, ça a été des femmes, sont tuées par les ethnies parce que justement, ce sont un peu des empêcheurs de tourner en rond. Ils sont souvent, ils ont des idées souvent un peu révolutionnaires et les pouvoirs en place n'aiment pas trop ça. Donc en général, et c'est ce qui s'est passé aussi sur la planète Oumu, où ils ont massacré leur Oemiwa. Donc ces personnages, si vous voulez, ils ont les mutations qu'auront, que nous aurons, nous, quand on sera au terme de notre évolution biologique, donc sont arrivés à ce fameux point oméga, le parfait achèvement de l'évolution. Donc, ils ont des capacités télépathiques, neurologiques, ils sont d'une grande intelligence, etc., bien supérieures aux nôtres. Et ils sont en contact direct avec le pôle informationnel universel, que les humides appellent WOA, et que nous pouvons appeler grossièrement Dieu. Voilà pour... ça. Et pour une meilleure compréhension, même si c'est le truc qui peut faire tiquer certains, donc ils disent que chez nous, il est apparu tôt, surtout en comparaison par rapport à eux. Et donc, pour eux, cette personne-là, cette nouvelle espèce, ils disent qui a donc une mutation, qui a même changé son génome en profondeur, c'est ce qu'ils disent, serait la personne qu'on appelle Jésus. Voilà, donc sur Terre. Et alors, ils nous disent, et c'est assez drôle, mais en même temps tout à fait cohérent, que quand ils sont arrivés sur Terre et qu'ils ont lu les évangiles et l'histoire de Jésus, ils sont tombés sur les fesses parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient eu la même chose sur leur planète et qu'ils disaient, en gros, les textes des évangiles disent la même chose que leur texte à eux qu'ils appellent des Taou. Oui, je tiens à préciser qu'ils n'ont même pas cru l'équipe expéditionnaire qui leur avait rapporté l'existence de Jésus et les premiers écrits. Ils se sont dit que c'était pas possible. Ils n'ont pas cru l'équipe. Non, c'est une invention. C'est la farce est trop grossière. Puis ils se sont rendus compte que non, c'était vrai, que nous avions déjà eu notre Oumu, notre Oemiwa. Alors, pour reprendre l'image des ethnies connues par les humites, on voit que ceux qui sont en bleu ont déjà eu leur Oemiwa, donc leur homme-dieu, leur Jésus, on va dire ça comme ça. Et que, alors, c'est bizarre parce que la couleur là, c'est pas la bonne. Eux, ils sont en train tous de se transformer en homme-dieu. Et les humites nous disent que quand une civilisation arrive à ce stade, ce sont des êtres qui n'ont pas beaucoup d'appétence sexuelle, donc ils se reproduisent peu. Et ils disparaissent au cours d'une espèce de catharsis, car ces êtres-là sont tellement en contact avec le pôle informationnel que leurs pensées, leurs émotions ont une influence très grande sur la modification de l'univers, puisque les humites nous expliquent que nous sommes co-créateurs de l'univers.
à une petite échelle, bien sûr, que nous, par nos libres choix, nous sommes co-créateurs de l'univers, mais ces êtres-là qui sont en fin d'évolution, ils ont une influence tellement forte sur l'univers que quand ils dépassent un seuil d'émotion, ils risqueraient d'avoir une influence trop forte et que le système, l'univers, les phagocyte. Ils disparaissent, pout, ils se dématérialisent. Ils ne vivent pas plus de 50 ans, hein, les civilisations remplies de OMI ou OA, ça ne dure pas longtemps. Voilà, en gros, ces gens-là disparaissent au cours de grandes cérémonies où ils se rendent en transe et ils sont phagocytés par le système, ils disparaissent et l'intégralité de leur esprit individuel, on va dire, est injectée dans l'esprit collectif sans filtre, sans rien. Donc là, on voit toutes les ethnies qui ont déjà eu leur homme-dieu. Et ça fait partie de la question. Donc, on voit que certaines ethnies sont colorées en kaki, par exemple. Et alors, ce sont des ethnies dont les humites, il y en a trois particulières. Une qui est en rouge, qui est une ethnie qu'ils qualifient de plus ou moins hostile. Les petits gris, ça, non ? Je ne sais pas, on a essayé de chercher. Bon, on ne sait pas trop. On sait qu'ils ne les aiment pas beaucoup non plus. Hein. Ils n'aiment pas trop ce qu'ils font. Et... ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font, mais ils disent qu'ils ont eux-mêmes des lois morales, mais qu'elles ne sont pas, on va dire, on va mettre des gros guillemets, universelles. Donc pour eux, c'est peut-être licite de venir chez nous et de nous coloniser, mais. Ils disent de cela, ne vous en préoccupez pas. Apparemment, ils s'en chargent. Et alors, cette ethnie-là, le point rouge, ils qualifient ça de nest, de nid, parce qu'ils disent qu'ils fonctionnent un peu comme des fourmis. On leur apprend dès leur enfance à cacher leurs sentiments, etc., etc., à obéir aux ordres. Et ils ont des colonies, et leurs colonies, ce sont les zones mauves. Et il y a. Alors en réalité il y a trois ethnies, il y en a une qui est plus ou moins hostile, voilà, on voit à droite là, hostile, et il y en a deux autres qui chercheraient à nous coloniser et qui ont déjà des colonies qui sont marquées donc par le côté vert un peu kaki et le côté mauve. Donc vous voyez, je me suis trompé, il y a la rouge qui est hostile, ne vous en occupez pas, et les autres, les mauves avec un point rouge ici qu'on voit très mal à 4 millions d'années, la troisième ligne. Et celle qui a 7 millions d'années avec un point rouge, qui est leur planète natale, et leur colonie. Alors voilà, au niveau géopolitique, c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans mon prochain livre, c'est que nous sommes l'enjeu d'un conflit, on va dire, interplanétaire. Ça peut paraître bizarre, un peu con, etc. Mais si on suit bien les textes et si on suit les dernières communications, c'est bien le cas. Et pour essayer de trier... tout ce qui se passe et d'essayer de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Voilà, je vais écrire. Prendre le temps de bien développer ça. Ça, c'est en plus de l'avertissement qui nous concerne, nous et nous-mêmes. Oui, avec déjà alors, cet avertissement. Bien. Merci les humites. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a une deuxième couche. C'est que, je ne vais pas expliquer ça maintenant parce que ça serait sommaire, mais il y a une deuxième couche, voilà, avec des intérêts... On va bien dormir ce soir. Pardon. Contradictoire. Oui, mais alors justement, les humains disent qu'ils sont alliés à deux autres races, qui sont des races plus évoluées, plus anciennes qu'eux. Et d'après ce que je comprends, moi, pour résumer, les humains sont un peu les factotums de ces deux autres races évoluées, à qui ils réfèrent quand il y a des décisions importantes à prendre et qui ne sont pas sûrs d'eux. Ils posent la question à au moins une de ces ethnies qui leur dit bah, « oui, allez-y » ou « non, n'y allez pas ». Notamment, ils avaient eu je veux pas trop délayer. Et c'est non, si tu peux le dire vite fait, avant même de venir sur la planète Terre, ils voulaient venir tout de suite après avoir reçu d'ailleurs ces informations. Ils ont attendu un petit peu parce que on est encore trop proche de la fin de la guerre de 39-45. Il y avait encore Ils ont juste eu, leur ont dit, cette civilisation est en train de vivre un moment fort dans leur évolution, et c'était donc la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'ils sont arrivés après. Voilà. La petite parenthèse vite. On va dire ça comme ça. C'est un peu plus compliqué, mais en gros, c'est ça. Et ils se sont rendus compte qu'une fois, ils ont voulu visiter une ethnie planétaire qu'ils avaient découverte. Et les deux autres ethnies alliées leur avaient dit, enfin, une des deux, peut-être, leur avait dit non, n'y allez pas. Ils sont allés quand même. Et l'équipage humide s'est fait tuer. Donc, voilà. Alors, ils disent, on leur a écouté. Les écouter.
Et donc, alors, ces deux autres ethnies sont plus anciennes, ont une technologie bien plus évoluée que celle des Humides, qui est déjà bien plus évoluée que la nôtre. Et a priori, ils sont quand même là pour mettre un holà à tout ça, mais ils ne peuvent pas le faire. Alors au début, ils disaient, on ne peut pas intervenir. Intervenir en les empêchant, ces ethnies, de vous coloniser ou de vous nuire, ça déclencherait un conflit. Puis finalement, ils s'y sont résolus, donc ils prennent des risques, ils se mouillent. Et ils sont même prêts à y laisser leur peau. Je résume très succinctement. Tout ça est dans les tweets que vous pourrez lire. Si vous voulez commencer par quelque chose, pour les plus récents, commencez par ça. Et a priori, c'est ce qu'ils seraient en train de faire. Mais ils font ça d'une façon très, comment dirais-je, prudente. Parce qu'ils ne voudraient pas créer, comme d'habitude, plus de désordre qui n'amènerait de solution à nos problèmes. Et nous verrons tout ça la prochaine fois, lié à cet avertissement. C'est Comment sûr. ils le considèrent et ce qu'ils vont faire ou ne pas faire en fonction de cet avertissement, en sachant quand même qu'ils nous proposent une solution qu'on a appelée le protocole Humite et que je développerai calmement la prochaine fois. Et pour comprendre ce protocole Humite, il fallait avoir une petite connaissance de ce qu'était la métaphysique Humite. Exactement. Vous comprenez pourquoi les amis, je sais qu'il y en a certains de vous qui étaient très pressés dès la première émission, nous ont dit, mais quand est-ce qu'il y aura l'avertissement? C'était prévu. Voilà, Stone savait qu'il fallait aborder d'abord certaines choses, d'abord les bases, ensuite l'explication concrète sur l'histoire. On a vu le premier point de vue déjà terrestre, le point de vue humide, quelles sont les choses qui interpellent déjà dès le départ sur ce dossier, comme l'affaire Peña. Donc tout ça, il fallait l'aborder avant d'aller plus loin. Et là, notamment cette deuxième émission avec la métaphysique humite, c'est quelque chose d'assez lourd, j'en conviens. Mais voilà, on a fait l'inverse d'hier, c'est-à-dire qu'on a commencé avec du lourd et du compliqué pour partir plus sur cette fin de soirée, sur des informations plus légères. Donc tant mieux. Et la prochaine fois, à ce moment-là, on va prendre le temps sur cette émission-là. Et je pense que lundi prochain, donc si elle fait 3 heures, elle fait 3 heures. Mais là, vraiment, je te laisserai vraiment prendre le temps d'expliquer tout comme il faut sur cet avertissement, tout ce qu'ils nous disent, tout ce qu'ils nous partagent, tout ce qu'ils nous expliquent et les solutions qu'ils proposent. Et avec, au regard aussi des nouvelles informations, parce que tu suis ce dossier depuis 25 ans et ça ne s'arrête pas. Vu qu'on Non, a vu non. ce soir que ça continuait, que c'était très récent sur Twitter. Et on prendra le temps la prochaine fois. Mais bien sûr, je vois Jean-Pierre, tu me dis, Nora, je pense que tu peux aisément programmer 3 émissions de plus. Ne t'inquiète pas. Moi, comme je l'ai dit à Stone, c'est quand il veut. Surtout qu'on a pas mal de choses à voir à côté. Il y a tellement d'informations qu'il faudrait partager, prendre le temps de voir. Donc voilà, j'espère en tout cas, si les humites nous écoutent, que l'information passe comme ils le souhaitent, mais en tout cas, c'est à notre sauce. Donc, excusez-nous, mais nous aussi, on l'a fait comme on le sent, l'émission. Donc, des fois, on y pense parce que c'est tellement répété souvent qu'il ne faut pas mélanger les humites avec d'autres civilisations. Donc, j'y repensais quand tu parlais des autres civilisations avec la question. Je me suis dit, c'est bon, on peut. Là, c'est bon, ça passe. C'est selon le point de vue des humites quand même. Oui, non, mais ça, là, justement, on ne mélange pas. Ce sont des données humides, humaines. Effectivement, c'est ce qui est dit dans les textes. Et je voulais revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Je ne sais plus. Et du coup, j'ai perdu complètement le Sur fil. le développement, le temps que tu as pris pour prévoir ces 3 émissions. Alors, effectivement, je vous ai expliqué pourquoi j'ai écrit ce livre, parce que je pense que j'avais. Bon, je sais à peu près écrire. Donc, je pense que j'avais une information à faire passer. Je n'ai pas fait ça pour gagner de l'argent, etc. J'en ai pas besoin. Voilà. Et c'est vrai que j'ai essayé d'ouvrir ce livre au plus grand public, à ceux qui connaissaient un peu, à ceux qui connaissaient beaucoup le dossier, et à ceux qui ne connaissaient pas du tout, à ceux qui s'y connaissaient un peu en métaphysique, à ceux qui ne s'y connaissaient pas du tout. Et pour arriver à livrer cet avertissement, pour moi, il semblait qu'il y avait des passages un peu obligés. Ceux qui connaissent bien le dossier peuvent en sauter certains. Par exemple, je dis ça comme ça, mais le chapitre 4 qui s'appelle Le vif du sujet, où je présente une lettre type, j'explique paragraphe par paragraphe ce que ça veut dire. Ceux qui connaissent bien le dossier, ben, ils peuvent sauter cette partie-là, quoi. Mais c'est important, et c'est pour ça que là, mon discours semble complètement déstructuré, et je le reconnais. Je saute un peu du coq à l'âne, mais bon. Finalement, c'est pas très grave, mais le livre est très structuré et l'avertissement arrive tard, mais effectivement, il fallait passer par des étapes qui me semblaient indispensables pour comprendre en quoi il fallait le prendre au sérieux, comment ça fonctionnait et comprendre
Alors, excusez-moi, je regarde souvent mon micro, donc j'ai le regard baissé, j'espère que ça ne vous gêne pas trop, Non, il n'y a pas de souci. et comprendre comment fonctionne la solution qu'il nous propose. Alors, j'espère, et ça c'est le message que j'adresse aux humains, que je n'ai pas trop de bêtises, parce qu'ils nous demandent, quand on essaie de retransmettre leurs écrits, d'essayer d'être le plus précis possible. Le fait est que je fais ce que je peux, mais contrairement à eux, je n'ai pas deux lobes cérébraux séparés, je ne peux pas gérer deux flux sémantiques en même temps, et je suis d'une intelligence moyenne, d'une culture moyenne, donc voilà, je suis au taquet, là. Je fais le maximum. Eh bien, il en faut des comme ça. Voilà, il y a peut-être 120 émissions sur les humides sur le net. Eh bien, il y aura celle-là. Voilà, c'est un panel. On propose un panel différent de partage de l'information sur Nuria TV. Donc, on fait de notre mieux en tout cas et on fait ça avec passion. Tyler qui te dit 14,4 années-lumière de merci et de bisous à Stone pour ces deux superbes soirées fantastiques exposées. Super boulot. Ah ben, merci beaucoup, ça fait plaisir. Comme ça, j'ai l'impression de ne pas faire tout ça pour rien. Et Nicosta qui te dit, c'est magnifique, de très belles informations qui vont donner beaucoup de réponses. Ça, c'est clair. Donc, écoutez, et informez-nous les copains s'il y en a un d'entre vous qui a passé la porte des 120. Ben oui. Mais je Ça suis serait étonné ça. enfin, c'est vrai que déjà, il faut faire la demande. Donc, si vous ne connaissiez pas cette information que les humains sur ces deux comptes et ces deux comptes seuls continuent à communiquer avec nous. Alors ne vous trompez pas d'orthographe, hein, surtout parce que vous allez tomber sur des trucs sinon un peu qui sont pas très intéressants et qui disent des bêtises, à mon sens. Moi, j'en ai parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai vu que le deuxième compte, j'avais déjà fait une demande. C'est parce qu'il y avait justement avant de préparer l'émission, en sachant que tu venais, je savais donc qu'ils communiquaient par Twitter. Alors j'ai cherché, mais je suis pas allée sur humo-science.com. Donc, du coup, je me suis abonnée à certains comptes et puis il y en a certains. Effectivement, c'est très poussé, très technique, c'est assez sympa, mais c'est pas eux. Non. Donc voilà, faire attention. Merci en tout cas pour les précisions. Toujours faire des recherches, comparer. Pourtant, je le dis tellement. Et puis il y a des fois, voilà, manque de patience. Et on va trop vite et puis on se plante de compte. Marguerite qui te dit une très bonne émission. Merci beaucoup. Luciano, merci beaucoup encore. Une bonne soirée en votre compagnie. Bonne nuit à tout le monde. Merci les amis. Merci pour votre présence une nouvelle fois ce soir. N'oubliez pas pour ceux qui sont sur YouTube de vous abonner à la chaîne et d'être alerté lorsqu'il y a des nouvelles émissions. Et surtout quand vous cliquez sur la petite cloche sur la chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez aussi passer par la newsletter sur Nuria TV. Vous êtes informé tous les samedis du programme à venir et on vous fait même dernièrement un petit rappel, 1 heure ou 2 avant les émissions. On vous envoie un petit mail pour vous prévenir que l'émission va avoir lieu. Et juste un énorme merci à ceux qui aident la chaîne via Tipeee ou PayPal. C'est sur le site www.nuria.tv sur la première page. Voilà, on a vraiment besoin de vous pour faire avancer cette chaîne, la faire grandir. On a besoin de coups de main, tout ça. Mais bon, tout ça, ça demande une énergie qui s'appelle l'argent. Voilà, on fait avec. Et donc, ceux qui en ont un petit peu à partager, n'hésitez pas à nous aider via donc le site Nuria TV. Ça nous ferait vraiment beaucoup, beaucoup de bien et de plaisir de pouvoir aller plus loin et de faire encore de super belles émissions. Et merci à toi, Stone, pour tout ce travail que tu as fait. Effectivement, aborder la métaphysique en live sur le net avec toutes les questions qui t'emmènent à gauche et à droite. Je t'ai sorti de ton document plein de fois. Je suis vraiment désolée, mais c'est la passion qui parle et les questions. Donc, vraiment, merci pour l'exercice. Juste un incroyable que tu as réussi à faire sur deux émissions, mais on t'attend la semaine prochaine pour l'avertissement. C'est le gros dossier. Voilà. Merci encore de m'avoir invité et puis merci à ceux qui ont eu la patience de m'écouter. Merci à toi, merci à vous tous les amis, bonne nuit et à très vite sur Nuria TV.